Ah, c'est bon. Vas-y, je vais y aller. Salut à tous, les amis. Bienvenue dans En Société. On va jouer aujourd'hui avec Bramon. Salut. Comment ça va? Ça va, la forme. Passez une bonne journée, j'espère. J'espère que ouais, t'es prêt à bien naviguer, mon pote. Ouais, carrément. Bienvenue sur le stream, mec. Mais ouais, c'est ma première fois. Ouais. Ça te plaît? Grand moment, j'espère. Allez, j'espère aussi. Ouais. Je suis aussi accompagné de Aurel. Comment ça va, Zalix? Ça va, toi? La première aussi. Ouais. Comment ça se passe? Bah ça va, j'ai les doigts, on verra si on gagne les doigts. Ah, vu les doigts, mec. Et enfin, Clément, comment tu vas, mec? Bah tranquille, tranquille. Bien prêt? Prêt à prendre ta revanche, parce que nous, on avait déjà joué en off. Oui, oui, oui. Bah... T'avais fini dernier. Vite. Oui. T'es pas obligé de le dire, là, tu vois, par contre. Il est pas obligé. Je mets ça, comme ça, un petit retour. Et on a le chat ici. Comme ça, quand les gens vont parler, on aura le chat ici, on pourra lire. Donc, on va, sans plus tarder, passer à la présentation du jeu. Everdell Farshore, c'est un jeu... Ouais, bien vu. C'est un jeu de pose d'ouvriers et de gestion de ressources. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Ça veut dire que je vais placer mes petits meeples, le mien, les castors, par exemple, et je vais devoir aller chercher des ressources pour fabriquer des cartes qui sont ici, ou des cartes que j'aurai dans la main. Le but du jeu, c'est évidemment de gagner des points de victoire. Et pour gagner ces points de victoire, il faut construire ses bâtiments. Bon. Jusque-là, tout va bien. Chacun d'entre nous va faire exactement la même chose et on va essayer de se foutre des bâtons dans les roues, essayer de récupérer les trucs qui nous intéressent le plus et évidemment marquer le score le plus haut. Ajouter à ceci, tu m'aides hein, si j'ai oublié des trucs, n'oublie pas. Ajouter à tout cela, on a un système de quête où si l'on obtient des objectifs, je mettrai la zanitelle. Excuse-moi. Dans quel sens? Comme ça? Comme ça? Ouais, enfin, je pense. Hein. Allez, je suis troisième. Ah oui, c'est un petit départ asymétrique. Vous allez voir qu'en fait, pour la récupération de ressources, un peu plus compliqué que... Enfin, c'est un peu différent d'habitude. Oui, c'est ça. Donc, moi, qui vais commencer pour aujourd'hui, je n'ai que 4 cartes bâtiments à construire. C'est ça. Contrairement aux autres, qui ont le désavantage de ne pas commencer, comblé par une carte bâtiment plus qui, moi, va m'obliger à devoir piocher plus rapide. Donc... J'allais juste dire... j'allais dire comment on fabrique les machins. Mais... Petite chose en plus. Alors oui, pour la fabrication de machins, vous avez le coût de marchandise, le type de bâtiment. Je voulais mettre un coup de zoom, mais vas-y, continue. On va faire un coup de zoom comme ça. Non, parce que la télécommande est juste là, en fait. Normalement, je peux zoomer avec via la télécommande. De ressources, type de juste bâtiment après. Et le nombre de points de victoire. Merci beaucoup. Parfait. Normalement, c'est bon. Non, et comme on voit, il peut y avoir des bâtiments qui nécessitent plusieurs ressources différentes. Voilà, on voit à l'envers, vu qu'il y a une caméra. Ça vous est pas trop. continue, moi je fais mon truc. Salut à toi, Lydie. À mon tour. Toi, je place voilà. Un petit meeple qui va me permettre de récupérer quelque chose, faire un effet spécial. Je construis un bâtiment. Voilà. Ok. C'est le magicien, tout à fait, c'est le magicien. Si vous êtes ça, je vous ferai un tour de magie. Les meeples, c'est notre. Ouais, c'est okay. Ça, c'est la c'est Byron. Base. Non. Moi, je suis voilà. Les crabes. Ouais. Voilà, moi, je suis les mouettes. C'est moi qui fais le suis le passage. Petite règle en plus, on va voir qu'il y a la rose des vents qui va nous apporter des bonus si on fait je viens lui dire. Des bâtiments ou si on fait des bâtiments, des créatures ou des bâtiments de ce type. On va également chacun piocher. Une petite île qui est un placement de meeple qui va nous apporter des choses en plus. N'hésite pas à nous dire si le son ou quoi ça marche. Ouais. Thank you. You're welcome. Oh ouais, bien ça. Ah, trois algues et un bois. Ouais. On cale les zooms. Bon, les zooms, ça va casser les couilles. Hein. La télécommande ne veut pas marcher, d'habitude elle marche. Ah. Mais tu sais qu'il on peut retourner les cartes ou... Ok. On peut retourner les cartes. Hein. Vous pouvez retourner vos cartes. Ça. Moi, je vais me placer direct
là-dessus. C'est bon, de, on a déjà tout. Ouais, voilà, en passant ça, pour mon premier tour de jeu, je vais avoir deux meeples en tout à placer. Un par tour ou une construction de bâtiment. Et pour les récupérer, il va falloir que je termine ma saison, donc termine toutes mes actions en cours pour après pouvoir récupérer. C'est pas mal. J'ai oublié de récupérer deux. Du coup, comme c'est marqué sur le symbole, deux et un de bois. Moi, je peux me prendre les trois là. Ouais. C'est Myron dans le chat. Ok, d'accord. C'était que de diamant. Le bois, c'est les, le carré là, la biscotte. Hein, le petit bois là, le Gangstein. Le champignon et pop. Et le diamant. Ah. Non. C'est alors, un diamant, un champignon. Et une carte. Et là, tu peux piocher une carte. Soit là. Voilà. Il faut foutre. Oui, un... bah, là, je connais pas. Donc... Ah bah non, parce que bah eux, ils les voient. Ouais. Okay, je vais peut-être zoomer parce que. Bon, celui-là, là. Il est un peu lointain. J'arrive. Je pense que c'est le tour de jeu. Donc... Ça, tu ne montres pas ça. Ah, pardon, ok. Il n'y a pas de problème. Ah, je n'ai pas posé la question. Plus. T'as dit retourner tout. On a exécuté. Non, j'ai mis comme ça pour montrer le nombre. Au pire, je montre. Bah vas-y Enzo. C'est bon pour moi. Hop. La carte quand tu l'as, tu la joues plus tard, c'est ça. C'est ça. Mais je vous inscris. Tu as récupéré tes. Non, d'accord. T'as posé la carte et t'as récupéré. Oui, okay. Tu veux faire qu'une seule action par tour. Yes, ok. Soit construire, soit poser un meeple. D'accord. Et comme t'as pas de ressources, bah tu peux pas construire. Ok. Ok. Oh, c'est bien ça. Parfait. Ok. Ça marche. Mais quoi que vous avez pas pris? Ah, comme ça. J'ai pas compris le tour de jeu là. Excuse-moi. C'est qui le deuxième? Bah, c'est Aurel. Ouais, bah donc. Ah bon. Attends, je vais déjà. Non. Pas, il y avait son. Ah, ok. Non, Aurel est là, je vais en premier. Ah non, t'as joué en premier, pardon. Ouais, pas de soucis. Ah oui, je l'ai posé moi, mais non, ok, pardon. Oui. Attends, on a combien dans ta main là? J'ai rien. T'es censé en avoir deux là. Là, il y en a deux, du coup, ouais, ok. Ouais. Trois, deux, ok, hop. Alors, du coup. Je sais pas si vous avez. J'attends que vous ayez vu. Hein. Ouais, t'inquiète. J'attendais que vous ayez fini pour en parler. Ouais, ça a été plus vite. Donc, je peux regarder ce que t'as posé, non? C'est toi, t'as posé une abbaye, c'est ça? Non. Il l'a pas posé parce qu'il peut pas la jouer. En fait, il a une action, t'as une action pour toi. Soit construire, okay. Soit. D'accord. Ouais. Ok. Moi, je pose un meeple. Eh ben, vas-y. En fonction de tes bâtiments, on n'oublie pas. Il faut que tu puisses récupérer des ressources qui permettent de construire. Ouais. Ça va être une longue partie. Oui, je sais, oui, d'accord. Mais d'accord. Ok, bon, c'est le début. Okay. C'est l'intro du truc, ok. Ouais. C'est l'intro. Si tu vas pas aller là, en fait, tu dois aller là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vas là. On a oublié de petite précision, s'il n'y a qu'une seule marque de pas, c'est qu'il y a un seul meeple qui peut se placer en tout. Vous allez voir, comprendre très rapidement après. Ouais. Et s'il y en a plusieurs, il y en a trois, ça veut dire qu'il y a autant de meeple que possible. Même, on peut mettre 5, 6. Ouais, tu fais ça. Okay. Alors par contre, tu bouges complètement, elle. Ah, non, t'inquiète, il n'y a pas de soucis. C'est le magicien, je fais disparaître les gens. Les gens, je te jure. Bah, c'est à toi, je pense. Non, il n'a pas fait son effet. Tu récupères la ressource de ton choix. Ouais. Donc, c'est des baies, ça. Ouais. Mais c'est, elles sont où c'est... Les baies, c'est les champignons qui t'intéressent, mais tu peux récupérer ce que tu veux. Mais celle que tu veux. C'est les baies, c'est des champignons. Ouais, c'est ils appellent ça des baies, mais c'est des champignons. Ok, mais je peux récupérer ce que je. Ou sinon, je récupère. Sur la caméra. Hein. Mais du coup, je peux. Bien. Et c'est en fait. je quoi C'est quoi? C'est soit j'ai. Non, les deux. Tu fais les deux. Tu pioches une carte et tu prends une ressource de ton choix. Ok. Tu pioches de la baie, donc tu choisis. Ah oui, non. Oui, on a mal expliqué, c'est vrai. Ouais. Tu pioches là. La baie, c'est ça. C'est toi. D'accord, pardon, ok. T'inquiète. Donc je pioche une carte là-dedans. Ok. Ouais. Très bien. La baie, c'est la carte marron, c'est ça? Ouais, c'est ça. Putain, c'est l'air stylé ça. Je m'en fous, moi j'y vais avec. Ah, t'as raison, c'est ta première partie. Voilà. Bestiole là. Voilà. La beauté des cartes. Cette carte, je la garde.
Ouais, ouais, exactement. Et, j'ai pas pris de ressources là. Enfin, de... Voilà. Oui, voilà. Okay. Non, tu peux prendre ce que tu veux. Que je veux. Pour pouvoir les contourner. N'oublie pas que. Regarde ce que tu peux construire. Comme ça, tu prends pas n'importe quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Oui. Oui. Mais oui, va mieux. Mais, ok. Par contre, on a oublié d'expliquer le système de. Non, bah. Bah, vu qu'on n'a pas. On n'a pas avancé là. Vas-y, je fais ça. Ok. Tac et tac. Une seule ressource. Ouais. Ah, une seule ressource. Il y a quand même une classification, le bois, c'est la ressource la moins précieuse. Là, ok. Les champignons slash blé. Ouais, ok, ouais. Sont okay. Un peu son moyen. Ouais, allez. Et le plus précieux étant le guérant. Allez, on parle sur le champi. Hein. Allez. Let's go. Moi, ça va me permettre, à mon tour, de récupérer 3 de bois. Bah, vu qu'il a été récupéré par les castors. Et ouais, mec! Tu le vois, les 14. Fortement. Voilà, on connaît. J'ai pris quoi, ça marche? C'est culturel. Ouais, nous, les casteurs, on est des mecs qui aiment. Quand est-ce que c'est mon tour? Je joue juste après Aurel, qui est juste là. Je suis 3ème. Attends. D'accord, ok. Il faut que je mette un. Ouais, ça va prendre un peu de temps. Le gars qui est allé, il y revient jamais? Eh si, il va revenir, mais pas... Avant le changement de saison, mais on va t'expliquer c'est quoi le changement de saison. Ah ouais, si je construis pas... Bah toi, tu changes de saison, si tu construis. D'accord, ok. Je peux déplacer là, mon bateau que de jouer? Si tu peux construire ça et que tu arrives à faire le point de vue. Si t'as les retours, tu les mets au construire. Ouais, j'en ai qu'un. Faut avoir celui-là et celui-là. Non, c'est ce que ça, c'est sa famille à lui, comme il t'expliquait tout à l'heure. Fait partie de la famille verte, de la famille des usines, enfin des merde. J'ai oublié le mot. Ça va revenir. Donc là, place ton deuxième ouvrier si t'as pas de ressources. Et les autres cartes, on m'empêche pas à chaque fois. Bah, je vais le mettre en. Avec les champignons. Là. Regarde, il y a le bouquin juste à côté. À quel moment on les envoie à la flotte bleu, mais... C'est quand on a. Quand tu commences à gagner des points de victoire, quand t'as construit des trucs. Ok. Ta carte, en fait, elle a un pouvoir en dessous là. C'est ça. Il y en a qui peuvent te permettre d'avancer aussi, tu vois, pour te faire gagner des points de victoire. Oui. Bah, je vais prendre des champignons là. Mais j'en prends combien? Bah, en fonction de là où tu te places. Là, bah voilà. Deux. Tac. Un vrai calabre. À moi. Je vais me mettre. Là, je vais récupérer deux algues. Là, t'as pas de choix. T'es obligé de placer un perso. Tu peux pas. C'est-à-dire que moi, sur les cartes que j'ai et avec les ressources que j'ai, bah, je peux pas les construire. En fait. Oui, oui, d'accord. Oui, bien sûr. On a déjà calé les. Une algue, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr. Et une fois que je pourrais, bah là, je changerai de saison. Enfin, t'es obligé de le faire, tu peux pas passer ou il n'y a pas un truc comme ça. Non, tu peux pas ça. Passer ton tour, mais t'es obligé de faire un truc, t'es obligé de faire une action. Ouais, bah. En fait, je suis obligé de faire ça, en fait, je suis obligé de caler le truc. Bah là, oui, il vaut mieux que t'ailles chercher. Va chercher des ressources, mec. C'est ce qui est important d'être. Ouais, au premier, parce que sinon, nous, on peut se positionner. Ouais, c'est ça que je veux dire, voilà. C'est ça, que, oui, d'où l'avantage que moi, je suis très limité en nombre de choix avec mes cartes, contrairement à toi qui as cette carte. D'accord, mais j'ai pu choisir mes ressources au début, c'est un bon starter quand même. D'accord, il y a des avantages et des inconvénients. Ouais, exactement. Et du coup, c'est un truc. Tu pioches une carte. Un saphir. Et là, par contre, tu as le choix, vu que c'est pas précisé, tu peux piocher soit ici, soit une carte mystère. Exactement, bien joué. Ok, très bien. Enfin, en fonction de tes ressources, beaucoup de ressources. Ah oui, ouais, mais après, t'as beaucoup de cartes. Bon, c'est vrai que j'ai une question, mais j'ose pas froisser le jeu. Donc, non, parce que la question que je veux poser risque de froisser mon jeu et voilà. Il y a un peu de compétition quand même. Tu vas pas dévoiler ta carte. Je vais faire des erreurs et je vais me casser la gueule, mais c'est pas grave. Mais t'as raison. Alors, pardon, je prends mon temps. Mais. Merde. C'est un nombre. On va mettre une pub, hein, si tu prends ton temps. Ah ouais, grave. Bon, allez, une. Regarde, mes constructions uniques. D'accord, créature commune, hop, le script. Parce que je suis un grand fan d'Edouard Baird, donc. Allez. Petit trait de cinéma. Bien sûr. Okay. Ah, je suis pas sûr, c'est peut-être l'inverse d'ailleurs quand c'est ça. Bon, c'est pas grave, on l'a fait pour le coup. Oui, mais je crois que quand c'est pas précisé, ça veut dire un. Mais il me semble que c'est que ça. Je vais la prendre là. Ça change pas grand-chose. Une carte, c'est une carte. Alors, à mon tour, du coup, moi, je vais me permettre de pouvoir construire un voilier. Ok. En payant 1, 2 et 2 de bois. Et ce qui va me permettre de faire avancer mon petit navigateur de 2 cases. Combien? De 2 cases. Ok, prends un trésor. À chaque
En tout, ça va permettre de me faire 6 cases, donc c'est pas ça marche. Pas de soucis. Il va y avoir les pouvoirs qui vont être utilisés un certain nombre de fois au cours de la partie. C'est exact. Le trésor va me permettre de soit obtenir à la fin de la partie, si je ne m'en suis pas servi, 2 points de victoire, ou soit la en le défaussant, récupérer à n'importe quel moment la ressource de mon choix. Ils sont symbolisés par ça, les points de victoire. Il y a certains bâtiments qui vont te donner des points de victoire quand tu les poses, donc ça c'est pour pas les oublier. C'est les points de victoire, ça. Oui, c'est ça. Ok, let's go. Je vérifie parce que j'ai pas mis les piles à l'envers. Mais ce bâtiment me rapporte également un point de victoire, mais je le récupère pas. Je le compterai à la fin, j'ai pas besoin de le récupérer. Ouais. C'est pour certaines cartes qui vont en plus. Vas-y, Aurel, je t'en prie. Je dois m'occuper de la partie technique. C'est... Ouais, t'as fait les plus lisible, je pense, quand en bas là. Alors, le scribble. Mais 3-4, c'est moi que je dois défausser. Ah, d'ailleurs, j'ai fait une construction. Ah oui. J'avance un de la rose des vents et ce n'est pas le même symbole, donc je n'avance que d'une case. C'est ça, oui, bien vu. Pardon. Marche, toujours pas. Allez, je vais me faire foutre. Alors là, de ta main. Tu peux déposer jusqu'à 3 cartes. Tu as compté les effets. Non, et après, vas-y. Et tu gagnes un point de victoire par carte que tu as déposée. Justement, l'envol parfait d'utilisation potentielle. Donc, un point de victoire si tu déposes une carte. 3 si tu déposes 3 cartes. Et après, tu pioches une carte pour chaque carte que tu as défaussée. Ce qui permet de refaire un peu ta main. Et t'es pas obligé de une, deux ou trois. Ça, c'est l'équivalent. J'ai oublié de vous parler de le bateau. Le bateau, c'est l'équivalent de moi. En construction unique, mais en plus performant, oui, tout à fait. Mais qui demande plus de ressources. Mais par contre, lui, la différence qu'on va pouvoir voir ici, qui va se passer, c'est que moi, c'est un petit bâtiment de production ici. On voit les. Bâtiment de production. Cette galère là. C'est un bâtiment à gauche, comme celui-ci. Donc là, lui, il n'aura d'effet qu'une seule fois dans toute la partie. Non, en dessous. Tandis que cette vue est. Ça, le point. Non, ça, c'est là que ça va bouger la caméra. Ça, c'est le zoom. Voilà, ça, c'est le zoom. Ouais. Et tu dragues. Mais là, trop tard, il a enlevé les cartes. Voilà. Ok. Si on remonte les cartes, tu pourras le faire. Je peux remonter les cartes s'il faut. Des zooms un peu dessus. Trop. Des zooms. Ok, donc voilà. Ça, c'est. Il faut qu'il fasse le focus, ce con. Le script. Parfait. Les aléas du direct. Ah, c'est à l'envers. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah non, je sais pourquoi. Allez-y. Ah merde, ça va être mon tour, je pars. Attends, j'ai pas fini, hein. Bon, ça arrive, tu fasses le focus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, t'as dit. Je vais aller modifier tout ça. Je t'en prie. Je joue celle-là. Ça va bien garder mon. Non, j'attends pour aller jouer. Je jette ces trois là. Tu déposes ces trois là. D'accord. Hop. Ah, donc, bien, 3 points de victoire. Ok. Il part vite comme un, ça. 2, 3. Donc, Aurel est presque en tête. Ils sont pas pour... Alors, c'est une créature, donc tu ne marques pas le point de la route des vents et c'est pas le bon symbole. Voilà. Ça va compenser le petit bonus du bateau. C'est bon, je peux y aller ? C'est bon. Let's go. Alors, à moi. Je vais payer. Oui, pardon. Il faut quand même que tu payes. Hein. Ah oui. Je me disais aussi. Ah oui. Ok, je vais construire le scriptorium pour un de saphir et deux de bois. Ah ouais, direct. C'est une construction commune. Ouais, j'ai chaté. C'est une construction commune et je peux piocher jusqu'à 2 cartes de la baie et 2 cartes de la pioche. Donc, construction, tu avances ton bateau de 1. Ouais. Et c'est pas une bleue, non. Donc j'avance pas non plus. Et je vais piocher, bah oui, je vais piocher. C'est qui les jaunes, les canards ? Les canards, c'est... Et là, t'as pas fait avancer de bateau encore ? En fait, je peux pas pour l'instant. Parce que t'as pas construit. Ouais, j'ai pas de bateau. Okay. T'as décidé de donc prendre des points de victoire. Ouais, j'ai décidé choix, avec ce que j'avais dans mon jeu. Ok. Merde, c'est une créature. C'est vraiment pas fou ce qu'il y a. Bon, allez, je vais prendre ça. Oh, bah, j'ai le bateau maintenant. Et je vais prendre. C'est deux, hein. C'est deux. Non, je voulais pas. T'as un ? Je vais faire un truc. Ouais, on a les couleurs avec les bateaux, c'est plus logique. Ah oui, bien sûr. Je vais mettre ici, en fait. Et quand on. Comme ça, on sait à quelle saison t'en es. Ah, pas con. Et sinon, ça, c'est un truc qu'on peut... Oui, il y a les couleurs des bateaux, ouais. On arrive à se repérer. Bien vu. Merde, je sais plus ce que je foutais. Ah oui.
Je sais pas, t'as pioché là-bas. Ça m'intéresse pas. Écoute, bah je vais prendre. Je vais prendre ça, c'est de la merde, mais je prends quand même. Il n'y a pas beaucoup de ressources, mais ça coûte cher quand même à chaque fois. Ah oui, certaines coûtent cher. Ouais. Une question, mec, là t'as posé. Là, tu as dû donner donc 2 de bois et 1 sachet cher pour avoir ce truc. Ah, c'est ça, tu rapportes 2 points de victoire tout à fait. Ah, moi, je vais m'occuper de la technique. Ok. Tu m'as menti, Enzo. Pourquoi ? Il y a des stratégies déjà. Ah, c'était une carte de plus ? Ah, merde. Okay. Autant pour moi. Ça change tout, je peux défausser autre chose. Et moi, je vais m'occuper de ça. Toc, toc, toc. Transformer. Que tu as fait 5, 6, 7, 8, c'est ça? Voilà. Et là, normalement, mais... on est à, là, normalement, on est à l'endroit. Attendez. Et la règle, c'est le plus mauvais perdant commence, donc c'est pour ça que j'ai commencé. Tu me dis que tu n'as le droit qu'à une créature unique. Ah non, ouais. Une construction unique, c'est ça? Alors, non. Si, c'est... petite précision, il peut y avoir écrit, donc vous ne voyez pas pourquoi pour l'instant. Mais... Si, c'est bon, ça y est, j'ai réglé. C'est bon, ça y est. Non, je vais juste zoomer. C'est une construction unique. Voilà. Vous voyez celle que j'ai construit dans ma vie. Il est chiant, il ne veut pas faire focus. Dans ma main, il se trouve que j'en ai un deuxième. Ce qui m'embête parce que vu que c'est une construction unique, je ne peux en avoir qu'une seule dans ma vie. Par contre, donc je ne pourrais pas construire une deuxième fois ce bâtiment dans ma vie. Par contre, un autre joueur peut l'avoir également dans sa vie. C'est un par personne. C'est un par personne. Et les créatures uniques, par contre, tu peux en avoir plusieurs. Les créatures uniques, tu peux avoir qu'une seule créature de ce type-là dans ta ville. Ah oui, d'accord. Les créatures communes, tu peux en avoir autant que tu veux dans ta ville. Il y a des restes de merde. Ah oui, parce qu'il y a des créatures uniques de type différent, quoi. C'est ça. Bah, si c'est le nom. De retour. Tu peux avoir plusieurs créatures uniques de type production, tant qu'elles n'ont pas le même nom. Ouais, bien sûr. Ok. Ok. Pourquoi on a ça d'un coup, là? C'est pas vrai. Ça, c'est les petites, justement, pour mon prochain tour, tu vas comprendre pourquoi. Ok. C'est ce que je t'avais dit avec toi, t'es une créature, tu peux pas le faire, mais moi, vu que j'ai un bâtiment, ça va me permettre de choisir de récupérer un habitant sans payer le coût de construction. Alors, soit tu as les ressources qu'il faut et tu construis ton bâtiment, soit tu as rien, parce que là, tu n'as plus de nickel. J'ai pas ce qu'il faut. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que là, tu vas changer de saison. Toi, tu vas passer en printemps. Ok. Tu vas récupérer tes meeples. C'est une série. Un. D'accord. Deux. Tu vas en gagner un supplémentaire. Très bien. Donc, trois. Par contre, ton tour, il s'achève. Tu n'as pas de bâtiment de production. C'est ça. T'as pas de bâtiment de production. Et tu n'es pas le dernier, donc tu ne retournes pas ça. Si, c'est le dernier. Non, c'est pas le dernier joueur à passer le. Le dernier joueur à passer la saison, excuse-moi. C'est moi. Donc, okay. Fin de tour. Et à. D'accord. Justement, moi, je me profite de ma chaîne, un petit pouvoir spécial qu'on peut utiliser que trois fois. Super, merci. Qui va me permettre de poser gratuit, sans payer son coût de production, une créature en plus qui va me rapporter un trésor en plus. Eh ouais, moi je suis là pas du gars. Il est déjà chaud. Il est déjà lui de les enfants. À toi. Ouais, j'ai ça sorti, je sais pas si je l'ai. Ça c'est ta ville, c'est construit donc ça va rester là ad vitam aeternam. Sauf si tu l'as détruit avec certaines cartes spéciales. Je vais me retrouver avec une armée de crabes. Et donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est dommage, t'as pas de meeple. Donc, lui va pouvoir pas se positionner sur l'espace que tu vas libérer si tu ne fais rien. C'est important. Là, si tu n'as rien, tu vas bouger là, c'est ça. En fait, si tu ne peux pas construire, tu n'as plus de meeple, tu ne peux pas les poser. Donc, tu es obligé de changer de saison. On va partir là-dessus. Ouais. Parce que tu n'as pas assez de canards. À moins que tu peux... t'as en ressources pour construire, tu n'as qu'un diamant. J'en ai un, mais j'ai pas de carte. Il y a celui-là, mais il faut deux bois. Ouais. T'inquiète, en général, la première saison, il y en a trop. Ouais, c'est normal. Enfin, franchement, je suis pas sûr qu'on avait réussi à construire un truc la dernière fois. Et ça se finit quand t'arrives à 60? Ça se finit quand t'arrives à 60? Non, c'est la limite max, mais tu peux monter bien plus que 60. D'accord, ok. Vas-y, je dois faire quoi? Enfin, nous, on avait fait quoi? Moi, je crois que j'avais fait à peine 100 points. Non, même pas 100 points. J'ai fini avant-dernier. Parce que c'est Henri qui a fini. Ah, c'est Henri qui a fini le dernier. C'est Herman. Henri, si tu me regardes. Ça, c'est 3 quoi. 3 encore. Au classement. Au classement. Si je prends mes 3 couillas, ça marche. Ça, c'est des points de victoire. Ok.
Mais là, donc, qu'est-ce que je dois faire? Alors, là, tu dois... De toute façon, t'as pas le choix. Hein. Je te laisse regarder. Mais hop, tu vas passer à la nouvelle saison. Ouais. Tu récupères tout tes meeples. On fait dans l'ordre. Hein. Je passe la nouvelle saison. Je récupère mes meeples. Et j'en obtiens un de plus pour ta nouvelle saison. Ouais. Donc, et tu refais les ta population qui grandit. Tous les pouvoirs, tous les bâtiments ou créatures qui ont cet effet, tu refais leur pouvoir. Donc là, tu peux renouveler déposer trois cartes pour récupérer des points de victoire. Des points de victoire et de nouvelles cartes. Ouais. Notamment si tu as des créatures, par exemple, tout de suite, là, tu as une construction unique en double. Tu ne pourras jamais la construire une deuxième fois dans ta vie. Ouais. Tu es sûr que celle-là, ouais, tu peux la jeter. Et après, tu vois, selon... je peux tout à l'heure, j'ai pas de bois. Ouais. On se laisse guider un peu, quoi. Ouais, on va dire que Aurèle et moi, on se laisse passer la saison pendant que vous êtes en train de construire là. On a bien compris. Quand t'as pas de pierre en place, mec. Ah oui, ah oui, non, mais déjà, je. Pardon, c'est ma faute, et tu repioches trois nouvelles. C'est pas mal de trucs à retenir, mais je pense que, comme je te disais, ça va être beaucoup plus lisible dès que tous les constructions, que chacun aura ses constructions. Tu vas voir, il va y avoir un mind game un peu en mode. Je pense que le jeu est bien et marrant, même. Il est marrant, bien sûr. Ouais. Bah, toi, c'est à moi ? Ok, go. Je sais pas si j'en ai trop ou j'ai mal compté. Je passe également la nouvelle saison, je récupère mes meeples. Là. Ensuite, je fais l'effet du Sprictorium, je peux piocher jusqu'à deux cartes de la baie et deux cartes de la pioche. Ah, et deux cartes de la pioche ? Ah putain, je l'ai pas faite, alors on fera. Ouais, c'est ma faute. Hein. C'est elle est bien, cette carte. Elle est comme une carte de là-bas, déjà. Vas-y. Quatre déjà. Parce que moi, je suis en belge de cartes. Et faut que je vois. Il faudrait que je vois qu'est-ce que tu as posé comme construction. Alors moi, j'ai posé le voilier qui va me permettre, trois fois dans la partie, parce que vous voyez, là, il y a la répétition, d'avance. Ça va me faire avancer six cases mon voilier. Donc, basiquement, ça va me rapporter 12 points de victoire. C'est un bon truc. Okay. Et me permettre de récupérer 4 et 3 d'or qui éventuellement vont me permettre de, d'avoir des ressources ou des points. Okay. Et ça va me permettre de gagner en plus des trésors que pour l'instant, je vise plutôt en ressources vu qu'on est en début de game, mais qui peut éventuellement servir de point de... Je sais où je vais me placer à mon prochain tour. Bah ouais, mais il y a une zone que je vise là, mec. Bah ouais, mais il passe avant toi. C'est le premier. Ça dépend de ce dont il a besoin. Mais oui, exactement. C'est à toi, tout à fait. Mais moi, alors... Je me permets de lui donner un petit conseil. T'as des cartes, mets-toi là, mec. Ah, tu te mets là. Arrête. Pardon, mais j'étais un peu de l'idée. T'as vu les ressources ici qui rapportent beaucoup de ressources différentes là ou là ou... Ah oui, mais faut que je place des. Bah ouais, faut que je place des. C'est le réflexe d'animateur. Débrouille-toi, on va être grand, c'est bon. Ouais, vas-y. Ce qu'il a, ça dépend le bâtiment qui t'intéresse vraiment. Voilà, moi je suis là pour ça. T'as fait ta stratégie, t'as pas voulu la faire. Je récupère. Deux de bois. Voilà, et un diable, c'est voilà. Peut-être que tu vas pouvoir construire. Il y a un amateur de pierres précieuses ici. Je connais le lapis lazuli, le saphir. Le lapis lazuli, c'est bleu, il me semble. Ouais, c'est bleu. Là, c'est quoi le bleu? C'est des saphirs, je crois. Rubis rouge. Émeraude vert. Saphir, c'est bleu. Après, il y a le diamant, c'est un classique. Il y a le grenat qui est rouge aussi. Exact. Ouais, voilà, ouais. L'ambre, c'est orange. Un orange noir, bizarre. L'onyx, c'est noir. Bref, excuse-moi. C'était la page de joaillerie. Moi, voilà, je récupère mes meeples. Et tu changes de saison. Un meeple en plus. Ouais, ouais. Petit pélican, là. Petite mouette, là. Non, sur qui je chie, là. Non, on n'est pas là, Les castors allumés. Je vais regrouper, mais je veux bien que tu m'avances de 2 cases, s'il te plaît. Tu es blanc. Ouais. Ouais. Non, c'est non, noir. C'est plus avancé. Deux. Hop là. Et je récupère un trésor. Et un deuxième trésor. Je propose qu'à ton prochain tour, on fait un point sur les points de victoire. Ça te va ? Ouais. Okay. Ça vous va, pardon, excusez-moi. Ça vous va. Tout à fait. Ça vaut deux points de victoire ou une ressource. Donc ça vaut l'équivalent de ça et je peux l'échanger contre une ressource. Voilà, exactement. C'est pas mal. Pour construire certains bâtiments. Donc c'est la fin de mon tour vu que j'ai passé. Ah, je suis le dernier à passer la saison. Le dernier qui arrive sur cette donc case. Donc on change les rôles. On va changer les rôles. Donc soit si c'est commune ça, c'est bien ou ça. Unique. Ouais. Et soit si c'est des bâtiments avec le logo. La petite patte. La petite si tu construis patte. Ça, en fait, tu vas pouvoir avancer deux fois. Et que c'est une commune comme là, et ben tu vas pouvoir avancer deux fois sur la piste de points de victoire. Donc tu as trois de points de victoire gratos. En plus des points de victoire que ça te rapporte. Ok. T'avances et tu prends des points de victoire. C'est bénef. De ouf. En fait, tout est bénef. En fait, quand tu vas comprendre comment ça se chaîne, tu vas dire. Ouais. Ah ouais.
Et finalement, en fait, tu n'as que 7 bâtiments à payer, vu que tu as 3 chaînes qui te permettent aussi de faire des petits combos. Ok, ouais, ouais. Ouais, sans payer. Tu gères bien tes bâtiments, quoi. À toi. Bah, j'aimerais ça pour aller sur l'île là-bas. T'as pas besoin pour aller sur l'île. Hein. T'as non, juste à poser ton meeple pour. C'est ça. C'est-à-dire que je joue. Souvent, d'ailleurs, à ce moment-là, quand il y a les places de disponibles, vaut mieux. En avoir un là-bas, ouais, et les autres direct se jeter sur les ressources. Ouais. Si c'est pas disponible, tu vas plutôt dire bah tiens, je vais prendre mon temps pour construire à ce moment-là, tu vois. C'est ça. Et je vais attendre que lui il passe ta saison pour pouvoir me placer direct. Et tu vas le baiser. Ok. Je me mets là. Ok, tu et le mien, il est bourré. Hein. Je crois qu'on attendait que tu te mettes là. Ensuite, je pourrais gagner une ressource que je veux par carte défaussée. Alors, toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Ça mange pas les bateaux normalement, les castors. Et toi aussi. Oui, carrément aussi. Pour commencer, t'es obligé de poser un truc, une construction. T'es obligé de poser une construction au début ou oui, mieux, en fait, il vaut mieux construire parce que comme ça, ça permet d'éviter de changer de saison et de perdre du temps en fait. Et donc, je vais prendre. J'ai défaussé 3 quarts. T'aimes pas les castors et t'aimes bien les écureuils. Ah, qu'est-ce que tu veux. Les écureuils, c'est sympa. Hein. Bah après, tu sais, moi, je suis des mouettes et dans ma vie, j'ai un lapin. Ouais. Je vais prendre un bois, un saphir et une algue. Ouais. Les crabes, je vais avoir du mal à payer, je pense. Un peu la pince, tu vois. Voilà. C'est un peu un Dr. Zoidberg. Non, Dr. Zoidberg, non. Si. Dans Futurama. Ah oui, c'est vrai. C'est un pauvre Zoidberg. Plutôt Monsieur Krabs dans Bob l'éponge. Ouais. Il a que l'argent. Les hommes crabes. Et vive l'argent, les mecs. Bref, on est les hommes crabes, c'est à nous de jouer. C'est à toi. Oh le gars, du crabe. D'ailleurs, j'ai bouffé ça juste avant. Bref. Ah oui, c'est vrai, et t'en as vu tout à l'heure. Alors, moi, ce que je veux, c'est plus de ressources. Est-ce que je peux placer encore un crabe? Parce que les hommes crabes, on est très nombreux. Ouais. Donc, je regarde ce que je peux, parce que qu'est-ce que c'est ça? Pioche. C'est ce que t'as fait tout à l'heure. Et ça prend des champignons, c'est ça? Enfin, B, c'est des pioches, tu choisis entre la pioche ou la B. Et tu prends une ressource que tu veux. Ah, c'est une seule. C'est que des cartes. Là, tu vois, d'accord. Trois brûlures, trois, deux algues. Ok. À bien regarder, tu vois. Ah, ça peut être intéressant, ça, en fait, celui-là. Là. Celui-là. Ouais. Ok. Comme ça, ton choix, tu pioches. Ok, donc une ressource. Et c'était 8 cartes, hein, c'était pas 10, si je m'étais trompé. Oh, c'est pas grave, tout le monde peut se tromper. Ok, et je pioche. C'est rien. Et je pioche. C'était deux cartes que t'as pas pris tout à l'heure. Je suis obligé de piocher, par contre. Je suis obligé de piocher un truc là-dedans. Ouais. T'as pas de limite de cartes dans ta main, de toute façon. Ouais, sachant que, au pire, une carte, tu peux en utilisant une fois ton pouvoir, tu peux les déplacer pour gagner. Si on n'a pas de limite, pourquoi on les jette à chaque fois si on... Bah, toi, tu les jettes contre des points de victoire pour recharger. Ouais, bien sûr. Bah, un herboriste. Très bien. Ça te fait gagner des ressources, bravo. Ça me fait gagner des champignons. Je vous montre, voilà, un petit herboriste. Il est, mignon, il est très tortue. Mignon, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Ouais, on va dire que c'est Franklin. Ouais. C'est une grenouille, merci, voilà. Ok, rapport avec Franklin. C'est la même chose. Ah, ouais. On est des gros racistes animaliers. Voilà, c'est une tortue, c'est une grenouille. Un peu spéciste. Un lézard. Ouais, la même race. Mais t'inquiète. C'est bon alors. Hein. Ouais, c'est bon. Allez. C'est à Clem. Les crabes ont parlé. Pour moi. J'ai besoin de ressources. Hein. De champignons. Bien. Vas-y à toi. Ah ouais, t'as été vite. Hein. Bah. J'anticipe. Chasse. Non, je fais ça là. J'ai deux salades là. Deux algues. Deux algues. Ok. Tu construis ça pour une. Pour deux du bois. Contre deux bois. Et ça dégage. Non, ça gaste. C'est ton peuple. Okay. Donc, à la fin de la partie, ça te rapportera un point de victoire. C'est ta vie. Et la deuxième fois que tu vas faire ici, ça te rapportera un point. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a un délire comme ça. C'est à moi ? Ok. Oui, c'est à toi. C'est plus mignon, là. Il me manque un castor pour jouer. Ah non, ils sont là. Ah, c'est bon, t'as déjà eu tout le pactole au début, là. Pour d'avant. Je vais prendre un saphir. Un peu gourmand, le gars. Il me semble que c'est pas la belle. Ouais, il me semble que c'est pas la belle. Hop. Très bien. C'est bon pour moi. Arthur, c'est à toi.
Ouais. Bah moi je mets ça. Parfait. Ça marche. Ouais, une planque. Une planque. Bon, ah, ça te rapporte des moins 5, ça va ? Non, zéro. Ah non, ça lui rapporte aucun point de victoire, mais ça lui donne des bonus. Donc, Ouais, moi je suis un bonus, mais on voit rien. Payé, donc, je construis, mais je construis, c'est tout. Donc j'ai payé ça. Et où je mets ça dans la cagnotte ? Ouais, là, mission. Donne, je vais mettre ce c'est bon, t'inquiète. C'est une créature, c'est une construction ? C'est une construction. C'est une construction unique. C'est une construction, c'est commun, c'est unique. C'est unique. Bon, donc tu avances pas. T'aurais pu avancer. Ah, oui, d'abord, non. Alors là, c'est mon plan de départ. Là, tu peux faire l'effet de la carte. Tu peux défausser jusqu'à 5 cartes et gagner un point de victoire pour chaque carte. J'utilise maintenant ? Je peux utiliser ça maintenant ? Ouais, tu peux. Bah oui. Je vais le faire. Tu vas virer sur 5 et tu gagnes 5 points de victoire. Et ben. Ah, pour pouvoir avoir des cartes pour construire. Aussi, hein. Accessoirement. Moi, je suis encore en déchat. Hein. Et voir bon. Ah oui, effectivement. Ah, ouais. Bah ouais, mais c'est le désavantage. Hein. T'as construit, c'est donc ça qui est bien. D'accord. Donc, je peux les montrer, les cartes que je. Ouais, tu veux. C'est tout qui va. Il n'y a pas de règle particulière sur ça. Allez, je suis un mec couvert. Ah. C'est jusqu'à 5. Jusqu'à 5, ouais. D'accord. Pas pareil. Je vais jouer dans le. Dans les règles. Je vais jouer dans le style, moi. Pardon. C'est un peu de la merde, ça. Ça fait des ressources, mais bon. Ah. Aurèle a posé la carte du salon. Déjà. Merde. Mais on avait vu la dernière partie avec. Toi qui peux pas l'avoir, c'est ça? Pas mal. Bah, ça apporte beaucoup de ressources. Bah, en tout, si tu la poses au premier tour, ça te rapporte 6 ressources de voix. Vas-y, tiens, voilà. Bon, c'est un peu con, mais non, parce que c'est. Il faut que je prenne plutôt des trucs qui ont pas beaucoup de. Ouais. Bon, mais ok, c'est parti. Donc là, je prends. Jusqu'à 5 cartes, vas-y. Prends okay, temps, je prends mais... Donc là, je mets 2 cartes, et du coup, ça me. Ça te rapporte 2 points de victoire. 2 points de victoire, voilà. C'est ce que. Symbolisé justement par les fameux petits coquillages. Petit coquillage, merci beaucoup. Ok, petit à petit, c'est pas mal. Voilà. Ah ouais, mec, et tu commences à faire ton nom. Moi, j'ai 0 points de victoire. Bon. Ah oui, mais. Et t'en as 4 bateau. Ils sont où ? J'en ai 4. 2 avec ça, 2 et 1. Donc son fric, lui. Ouais, c'est bonne idée. Ah oui, j'ai besoin de cartes. Exact. Et je domine les îles un peu là. Ah, t'es un mec, t'es un gentil en fait. Voilà, on s'est fait ben. Ouais, j'avoue que j'ai oublié de prendre la base. Il y a des mots que faut pas le dire. Bah oui. Genre le. Non, bah, ça commence. Tu l'as, tu vois, le mec qui part en vrille et tout. Oh, pour la première. Qui commence comme notamment. Comme notamment. On s'est réglé. Bon, allez, laisse ton tu ris, mais une fois, malheureusement, c'est arrivé, un mec. Je voulais sortir un perso pour aller ça, pour prendre des actes. Il se ramène, il est bourré, gros. Ah ouais, t'as eu un gars, ah ouais. Du coup, mais non, j'ai supprimé le live. Voilà. Ah, putain, mais j'aurais adoré m'y regarder, quoi. Des moments. Ouais, ça passait pas du tout. Bah ouais, c'est ça, le. Insulté de chat, quand même. Bref. Ah ouais, non. Ok. Merde, j'ai plus de. Ah oui, mais j'ai mis que 2 castors. Je suis pas sûr d'en avoir 3. Ouais. Il est où mon troisième ? Ouais, excusez-moi, j'ai oublié, je suis en bord là. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Mais après, pour un bois, une algue, un saphir. Ouais. Non, 2 saphirs, pardon. Ouais. 2 saphirs, un bois, une algue. Je construis un port qui est une construction unique. Je gagne un bois, une algue ou un saphir après avoir joué une créature. Quand je jouerai les créatures. Là, la planque, c'est un bâtiment comme ceci, donc tu peux chaîner une créature au prochain minimum tour. Avec une chaîne, il peut te rapporter une de ressources. Exactement, mon ami. Exactement. Tout est prévu dans mon petit cerveau. Même si je t'avoue que je me suis défaussé de créatures tout à l'heure parce qu'elle a pu être quand même la merde. Ouais, mais c'était des créatures qui donnaient des pouvoirs du printemps. Je suis au printemps. Ouais, bref. Allez. Oh, mec. T'en as un deuxième, hein? C'est vrai, enfin, à l'automne, ouais. Bon, et en gros, si t'arrives en calé 4, on a oublié de préciser la petite règle, ça rapporte des points de victoire à la fin. Donc, par exemple, si j'ai réussi à en avoir une, ça m'a rapporté 2 points de victoire par petit quête, parchemin que j'ai vu. Je ne peux pas en avoir 2 du même titre. C'est ça. Si après, par exemple, ça se passe comme ça, et là, donc j'ai bien 2 cas, donc celui-là va me rapporter 4 points et celui-là va me rapporter 2 points. Donc, en tout, 6 points.
C'est ça. Merci Clem. Sans respect. Beau, c'est beau. Sans respect. C'est, oui. Oui. C'est à toi de jouer. Et il te reste un meeple. C'est un meeple. Eux ne bougent pas, on est d'accord. Pour l'instant, c'est à la prochaine saison, tu vas en venir. Ok. Alors, question conne là par contre. En fait, à quoi ça sert d'avancer? Enfin, oui, ok, pour gagner des trésors et tout ça. Et, c'est ça, il y avoir plus de points de victoire. Ouais, okay, d'accord. Bah, ouais, on va peut-être avancer. Non, il n'y a pas un moyen d'avancer mon bateau. Alors, deux moyens d'avancer, soit des constructions. Comme moi, j'ai essayé d'optimiser à cette partie-là pour voir. J'en ai une. Soit avec la rose des vents. C'est ça. Donc, si tu fais des choses communes, créatures ou constructions communes, okay, tu avances d'une case. Si tu fais des trucs avec ce symbole-là, tu avances également d'une case. Et bien sûr, si tu fais ça commun, tu te régales. En général, tu prends 13 ans. Tu te régales. Ouais, en fait, j'ai ni l'un ni l'autre. Donc, ouais, je peux pas avancer. Quoi. Et tu peux pas construire là? Ouais, je vais regarder. Et je crois pas. Mais je crois que je peux pas construire. Non, je ne peux pas construire. Je ne peux pas construire. Donc. Bah, là, c'est un meeple pour donc, je passe un meeple. C'est ça. Je sens qu'il y a pas mal d'endroits qui sont squattés déjà. Ouais, bah. Bah, on sait que du coup, qui reste. C'est ça. Clairement, je ne peux que jouer ça. Voilà. Exact. Là, je récupère 3 bois, mec. 3 bois. Et par là, pardon, c'est quoi là? Ça, ça permet de déposer des cartes et d'en repiquer. En fait, le pouvoir du script. Mais tout ton script te rapporte des points de victoire en plus. Moi, je peux pas sacrifier, ouais. Tandis que ça te rapporte, juste te permet de changer ta main. J'en ai pris 3, mais j'avais déjà un bois. Hein. Donc, ouais, j'ai pas. Confirmé, la VAR est confirmée. Ah, mais et je peux avoir activé le truc fait. Encore là le non, non c'est une fois. Quand tu poses, c'est ce que je te disais sur ah, les... merde. OK d'accord, OK. Wow. Les vagabonds, leur pouvoir c'est une seule fois, contrairement au bâtiment de production, leur pouvoir c'est jusqu'à 3 fois. Merde, c'est un vagabond. OK d'accord. Les parchemins. Ah, OK. C'est des bâtiments qui vont avoir un pouvoir sous certaines conditions, en général, c'est quand on place une carte. C'est ça. Ok. Les bâtiments, les moulins, c'est des bâtiments d'optimisation de points, plutôt plus chers, mais qui rapportent des points en fin de partie. Et les créatures, ça, c'est que des créatures, on est d'accord dans ça. On parlait des pouvoirs. Oui, c'est que des créatures. Par contre, j'ai oublié que vous pouvez gagner un truc dans le bois et piocher une carte. Pour chaque carte. Ah oui. Et j'ai oublié de les piocher, je crois, non? On les a donné des cartes que tu as défaussées? Non, tu les as pas récupérées. Ouais, tu en avais défaussé combien? T'as combien? J'ai deux trucs, donc deux. Ouais. Bien joué. Bon. Ok. Et c'est bien que tu le fasses ça maintenant. Ouais. Parce que moi, à mon tour, je construis un pigeon voyageur. Et ça va me permettre de piocher les deux premières cartes. C'est très drôle à dire. Je construis un pigeon voyageur. Ouais, ouais, tout à fait. Heureusement, je n'ai pas le choix. Ce qui va me permettre de faire gratuitement un plongeur. Ça me rapporte 0 points. Je pioche 2 cartes parce que je suis en stage de cartes, les gars. Il y en a 2. Le plongeur, je peux payer jusqu'à 3 ressources pour gagner un trésor pour chaque ressource payée. C'est pas rentable. Et bah, c'est grave rentable, ça vaut la ressource que je veux. Ah, mais point de victoire. T'es fou. Il va tout virer. Voilà. Moi, je suis un. Optimisateur. Non, je suis attiré par le fric. T'as le nombre de trésors que j'ai? C'est pas la bonne carte. Et ça me fait en plus 2 créatures communes pour le coup. Donc je veux bien que tu m'avances de 2, s'il te plaît. Pardon. 12. Non. 10. Non. Ouais. 2. Et un trésor en plus. Les gens y voient là. Voilà, ouais, les gars. Nous, on est sur celle-là. Eux, ils sont sur celle-ci. Enfin, lui, hein, surtout. Ouais. Bon, non, on te voit. On te voit, t'inquiète. Il est là. C'est Clément qu'on voit plus. Tu vois, on voit un bout de mic. Un bout de nuque. Bah, je prends un bateau là. Ok. Mais lui, il reste chez moi où il... Ouais, il est construit à vide à mettre un... T'as 10 places, sauf sur certaines conditions. Non, des fois, tu sacrifies des choses. Les ressources, tu les remets là. Ouais, les ressources, on les remet là. Chaînage, ça compte comme une action, non? Chaînage, ça compte comme une action, ce qui m'a permis d'être le dernier à passer la saison. Et quand t'avances, t'avances tout de suite ou t'avances mais après. Le chaînage marque que si t'as un bâtiment où il y a la créature qui s'installe, mais pas dans l'autre sens. Ah oui, c'est créature. Putain, c'est pas construction. C'est pas construction, c'est construction créature. Mmh. Merci, bien vu. Là, t'avances ou c'est tu après te déplaces de 3 cases. Ton bateau, tu pars de départ ou tu pars de 2? Tu pars de toi, tu pars de départ ou de 2 quand tu comptes? 1, 2, 3. Donc, t'es à 0. Donc, 1, 2, 3, t'arrives là. 6. Et tu récupères du coup un trésor en plus vu que t'as passé une case trésor.
Ok, c'est quand tu la passes, c'est pas quand tu restes dessus. Ouais. À moi. C'est pour ça que t'as tout ça depuis tout à l'heure, je comprenais pas, c'est ça. Mystère, tu viens là, on est trois places, hein. On est deux. Donc je me défausse, d'ailleurs. Il y a autant de places que c'est... Dégage. Ok. Dégage. Et casse-toi. Et je vais prendre trois ressources que je veux. Je vais prendre un bois. Et deux saphirs. Voilà. Alors. À toi. Il n'y a plus vraiment de place. Ah, mais parce que j'aurais t'as envoyé tous tes soldats aussi. Oui, en plus je n'ai plus de soldats, donc je ne peux plus. Si tu peux plus construire, tu es obligé de changer de saison. Je vais changer de saison, je peux que faire ça en fait, parce que je peux pas construire non plus. Aucune de tes cartes là ? Non. Dommage. Ah, c'est cool. Merci. Attends. Merci, parce que là il me libère des cartes. Ah bah oui, retour. Et moi je suis content, j'avais mon dernier. Okay. Pour ça, moi je trouvais que t'as construit trop tôt, t'aurais d'abord dû te placer pour les ressources. Plutôt que de construire parfois, c'est. Enfin, le construire, c'est. En fait, t'es attiré par la construction parce que tu veux accélérer un peu ton jeu. Ouais. Sauf que parfois. C'est un choix après à faire. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez voulu faire vos bateaux pour caler mes trucs, mais moi, j'ai pas de ressources en fait. Vos bateaux, là, vous les avez fait. Le problème, c'est les ressources. Toi, tu vas sur les îles, mais. Moi, c'est juste. En fait, vu qu'au début, j'ai 4 cartes. C'est plus bénéf d'aller là. J'ai construit ce que je pouvais construire finalement au début. J'ai pas le choix. Mais j'ai le choix de mes ressources. Par contre, vous avez le choix de vos cartes, de quoi construire, mais vous n'avez pas forcément le choix de vos ressources. Donc finalement, on a le même handicap. Donc pourquoi j'en ai posté qu'une à deux alors moi j'aurais dû. C'est un peu. Ah merde, ouais, non, je défaussais en mode dans le. De ce que j'ai remarqué sur la précédente partie, c'est que ma deuxième partie, faut focus sur le premier tour. C'est vraiment cool si tu arrives à faire un bâtiment de production de ressources dès le premier tour. Là, franchement, c'est un bon avantage. Sinon, à part ça. Et faut pas tout de suite construire tes bâtiments. Ça, c'est pour vraiment construire en dernier, en fin de partie. Je pense aussi, Comme a fait Enzo, du coup, total. Ouais, il faut toujours au moins se garder une chaîne pour construire ça à la fin. Je te jure. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? C'est ça. Ouais, change de saison. Tu récupères tes meeples. Tu gagnes un meeple de plus. Oh, voilà. Génial. Tac. 4. Il en a tué un en particulier. Pardon. Tu pioches deux cartes de la baie. Tu les moi. D'ici. Alors attention, petite règle spéciale, tu en pioches. Attends, pourquoi il change de saison et il repioche ? Parce qu'il a rien. Ouais. Regarde, là, il ne refait pas ce pouvoir-là. Pardon. Ouais, c'est vrai. Il ne refait pas ce pouvoir-là, mais il pioche deux cartes. Ok. On estime que là normalement, tu as eu pas mal de ressources en deux tours. Ouais, de la baie, de ici, donc tu en pioches une. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que tu en as pioché une, il y a là une nouvelle qui va se libérer. Qu'est-ce que c'est ça, ça demande deux de quoi ? De n'importe quelle ressource. Ça, c'est très bien. C'est pas bénéf. Mal, moi, c'est ce que je voulais voler, mais. Voilà, très bénéf. Ou cinq cartes. Et j'en dois en reprendre une, là. Je dois en reprendre une. Oui, c'est ça. Alors, petite précision, vu que c'est la première qui tombe, les créatures, donc c'est la première carte qui tombe avec ce symbole-là, le fameux. Il faut en plus placer un meeple dessus quand elle a que dans notre ville pour pouvoir faire son effet. Voilà. Donc à chaque fois, je sacrifie un meeple pour faire pour faire l'effet de la créature. Très bien. Elle peut avoir une seule utilisation à chaque retour ou plusieurs utilisations. Ok. Et bah, je prends celle-là. Attends, c'est quoi construction commune, ouais. Ça, c'est des trucs que tu peux mettre à l'infini. Un galion qui rapporte masse de points. Donc on voit les bâtiments d'optimisation rapportent en général beaucoup de points, mais c'est surtout, ça coûte très cher. Après, par exemple, on peut voir le combo, on met le galion, on chaîne avec l'amiral qui est une créature, et hop, en plus, au prochain tour, on récupère ça. Mais il faut payer 4 de bois, 3 de trucs, et on a du là. Lui, il en avance sur nous avec les meeples, il va pouvoir se placer tellement bien. Ouais, mais regarde, lui, il va pouvoir se placer, mais moi, je vais placer un meeple de ressources. Et ici, ouais. Ici ou ici. Et oui. Lui, il va placer un meeple de ressources, toi, il ne te reste pas de meeple. Non. Tu vas récupérer, tu vas. Si tu construis. Si je construis pas, je change de saison. Ouais. Si tu chaînes, il est baisé pour sa prise de ressources. Si tu chaînes pas, là, tu libères des ressources, mais tu libères une seule case de ressources finalement. Là, tout est prévu, mon ami. J'ai passé la saison, j'ai pris des deux cartes. Et c'est fini. J'ai pas le droit de construire maintenant. Non, ou tu as fait ton action. Tout à fait. Je prends des ressources. J'ai pris des cartes. C'est ça. Ça commence à rentrer, hein. Ouais. Moi, t'inquiète. Non, mais t'inquiète, c'est technique, mais t'inquiète. Bah, de toute façon. Après, faudra changer, parce que là, t'as eu plein de cartes, ça se trouve, ta position change. C'est ça, la situation n'est pas la même. Tu vois.
Ça me sert à chacun rien. Un super. Peu riche d'un peu, mais super. J'ai l'impression qu'on est très opposés. Moi qui suis en galère de ressources, mais toi qui as... Ouais, non. Ouais, non, mais moi, je suis en galère de ressources, mais t'as énormément beaucoup de construction. Ouais. En fait, ça, c'est chaque trésor. C'est quoi tous ces trésors? Il n'arrête pas de... Surtout, mais changer de compte des ressources. Et je peux, non, ouais. Potentiellement, ça, c'est une de ressources que... Donc, moi, je suis blindé en ressources, mais regarde. Tu galères en carte. Tu galères en carte. Donc, c'est l'avantage que j'ai de pouvoir choisir mes ressources. Je le perds en nombre de cartes, en possibilité de... Bah en fait, je construis un peu ce que j'arrive à piocher. Ouais, bien sûr. Ouais. Tandis que toi, tu peux choisir ce que tu construis vu que tu as le choix des cartes, mais par contre, bah, tu as un peu ce qui reste en ressources. En ressources, bah, avec Rabin, hein, tu sais. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, je suis un peu dans la merde. Mais en fait, bah vas-y, je fais à toi. Hein. C'est le seul jeu où je peux regarder tes cartes et me dire, ah, tu veux... Bah en vrai, mec, je vais pas... Tu peux pas, ça n'a pas vraiment d'un... Hormis, tu te dis, ah merde, je pourrais pas la piocher celle-là. Ouais, ouais, mais bon, franchement, mec, j'apprends. Ouais, bah j'aimerais faire ça, là, pour piocher au milieu. Donc la ressource de choix et une carte... Je change de plan. Je me souviens de la carte. On est d'accord que ça demande pas de ressources de chaîner, hein. Non. Ouais, c'est ça, ok. C'est l'avantage. Et que t'es forcément une créature du type du bâtiment. C'est ça, ok, on est d'accord, c'est bon. Très belle explication. Merci encore. Mais de rien, de rien. La dernière fois, j'avais dû faire et la technique et l'explication. Bah après, c'est l'avantage d'avoir déjà joué au jeu une fois, même si c'était il y a un mois ou deux déjà là. Déjà ? Ah, ça passe vite, hein. Ah oh ouais, putain, ça va vite. Moi, je prends ça. En vrai, on aurait joué à deux pommes, trois pains, il y aurait les mêmes problèmes de... Alors, deux pommes. Ça, après, on peut se le faire, on peut se faire une deux pommes, trois pains, débarque. Ça, c'est plus chill, moi, je trouve. Là, on est sur du jeu découvert, moyen, détente, avec découvert. Voilà, c'est pas mal, parce qu'il y a les réactions de la découverte, et il y a une stratégie un peu plus élaborée, parce qu'on connaît un peu plus les cartes qui sont susceptibles de tomber. Mais voilà. t'es pas forcément mis dans l'échec, t'apprends tout le temps, ce qui est sympa, alors que putain, deux pommes, trois pains, t'es là. Ah oh, putain, merde. Non, tu connais, non, tu connais pas, ouais, t'as de la chance de pas connaître. Okay. Bref. Je vais chaîner mon porc et je vais chaîner un douanier, créature unique. Donc, j'avance pas, et en plus, c'est mieux. Tu fais l'effet, non ? Ou pas ? Lorsque je joue une carte, je peux remplacer une de mes ressources, du coup, par une. Quoi ? Tu transfères une de tes ressources. Par exemple, si t'as plein de bois, ça t'intéresse pas, tu l'échanges contre un champignon qui va t'intéresser. J'avais pas compris. Et vu que j'ai joué une créature, le porc me permet de gagner un bois, une algue et un saphir. Non. Un bois, une algue ou un saphir. Un bois et une algue. Ou c'est... Oui, non, c'est un au choix. Voilà, un au choix des trois, c'est ça. Et on va dire que le douanier, c'est une carte. Oui, c'est une. Donc tu fais son pouvoir normalement. C'est pas une carte après avoir joué celle-là ? Ouais, je sais pas. Ça me semble trop abusé. T'imagines, je joue une carte et en plus. Bah ouais, mais si tu. Je bénéficie de l'effet de la carte de sa propre carte. Bah, chaque fois que tu joues une carte. Bon, comme tu veux. On fera la même chose que toi de toute façon vu que t'es le premier sur le cas. Ouais. Moi je pense que dans un souci d'égalité, c'est mieux que je le fasse après. Ok, sur la carte suivante. Parce que. Ouais. Bah un peu comme le chaînage. Je vois, c'est un peu comme le chaînage. Je commence à jouer, moi. Je construis. Excusez-moi, les gars. Et je peux construire là autant que je veux. Construction commune. Non, c'était. Tant que tu payes, je paye. Sachant que donc là, commune, deux bois, un saphir. Pour mon. Il n'y a pas de scriptorium. C'est ça, hein, deux bois, un saphir. Et je construis aussi un pont de corde. Ah, tu peux construire qu'une seule carte par tour. Hein. Par tour, ouais. Ah, pardon. Ouais. Mais par contre, au prochain tour, vu que tu as les ressources, tu pourras le faire. Ou tu auras plus de place pour récupérer tes ressources aussi. Et ça sera à ce moment-là. On verra, oui. Donc, ton scriptorium, ça fait un effet, il me semble. Hein. Oui. Deux cartes de la baie ou deux cartes de la pioche. Les bah deux, oui, c'est les vrai deux, que... Les deux. Jusqu'à ah, deux okay, cartes bah, de la baie et deux cartes de la pioche. Je l'utilise pas maintenant. Je regarde. Tu es obligé de l'utiliser maintenant. Pardon. Et tu le retireras une dernière fois. Donc, ça, les gars, je passe c'est pour moi, on est d'accord, le galion. Bien joué. Ouais. Forcément, j'ai compris que ça valait cher. Donc, bah surtout si tu le chaînes avec l'amiral pour le coup. Ouais. Parce que tu peux avoir l'amiral gratuitement. Ouais, mais c'est putain, ma question était...
tant pis, je vous la pose, c'est pas grave. J'ai déjà un amiral. Ok, vu que c'est une créature unique, c'est... ça ne sert à rien de la prendre. Ça sert vraiment à rien de la prendre. De la prendre, vu que j'en ai déjà eu. Sauf à vouloir bloquer, par exemple, parce que pour moi, pour chaque trésor que j'ai dépassé avec mon bateau, sachant que je vais continuer à avancer, ça va me rapporter des points de victoire en plus. D'accord. Mais donc moi, elle est intéressante pour moi, mais toi, pas tellement. Oui, oui, voilà. Oui. Au mieux que tu la chaînes avec celle-là, par exemple, ton galion. Pour chaque construction commune dans ta ville, si t'as beaucoup de... Voilà, donc selon les... Ouais, ok, mais bon, si ok, je... Oui, 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 bien sûr, mais je vais... faire un truc comme ça... Déplacer votre unique, déplacer votre unique, créature unique... Excusez-moi, je vais encore un petit peu... Prends ton temps. Grave. On est là pour le game. J'ai fait deux trucs différents dans la vie. Ah putain, c'est stylé, il est stylé lui. Moi je le fais, je pars au style de toute façon. J'ai une construction. Oui, bon, ok. Ton tour est fini là, de toute façon. Non, il faut qu'il pioche une deuxième carte là, et après voilà. Il récupère deux cartes de la pioche. Soit chez Nage, ça te permet d'avoir des cartes gratuites. Donc là, il a déjà une carte verte. Non, mais tu vois, regarde, c'est une construction commune. Donc il peut chaîner avec ça une créature. D'accord, ok. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Là, il faudrait plutôt une créature verte, vu que tu as une construction verte. Ouais. Ouais, ouais, mais j'étais sur ça. Ça, je voyais la différence aussi avec le. J'ai mon spectre en ligne. Franchement. Et puis j'en ai deux de la pioche aussi. Deux de la... En tout cas, c'est deux de la baie et deux de la pioche que je dois. C'est ça ? C'est ça. Ouais. Bon, oui, j'en fous. En vrai, est-ce que ce serait pas mieux de zoomer sur le plateau ? Ouais, bah tu là, si on le faire. Loin, je trouve. Ouais, je vais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, il y a un reflet de lumière un peu. Ouais, on retourne du coup. Et les deux de la pioche. Okay. Voilà. C'est la carte que je voulais. Les gens voient que dalle. Pour justement combler, parce que ça te permet de choper 4 cartes d'un coup, donc de bien combler à ton déficit de cartes. Quelle carte tu voulais que je t'ai prise ? Non, Scriptorium. Ouais, mais qu'avait déjà. J'aurais bien aimé la voir. Choper d'un coup 4 cartes. Ok. Sachant que les ressources. Et sachant que tu voulais des cartes. Et oui. Donc c'est pour ça que je vais anticiper un peu. D'accord. Vu mon nombre de ressources, tu vois, je pourrais me dire je peux attendre un peu. Oui, bien sûr. Mais je vais préférer quand même me déplacer ici. Toi, récupérer un meeple en plus. Ouais, ou peut-être une autre lumière. On est un peu là. Ouais, c'est vrai. Un peu brosson. Récupérer ensuite deux cartes de la baie. Et t'enlèves celle-là. Hein. Non, j'ai peur qu'on soit trop son. On a vu que l'amiral, pour moi, c'est pas mal. Non, c'est trop son. Ah bon ? Écureuil, activé indoor. Oh, c'est non, ouais, ça va. Juste qu'on voit pas trop celle-là, là, tu vois, cette partie-là. Peut-être dézoomer, non ? Je sais pas. Juste, ça fait un vieux reflet sur le truc, mais c'est pas grave. Attends, c'est le matin que ça tombe, ça. Ça va. Est-ce que vous n'êtes pas content ? Et vous allez voir une autre voir. Ça, voilà. Une petite précision qu'on ne vous a pas dit quand le dernier. Ouais, un peu plus de reflet, là. Quand le dernier arrivera ici, on va perdre deux îles. Ah oui, c'est vrai. Il y a la marée qui va monter, il y a deux cartes spéciales de ressources qui vont disparaître définitivement. Sachant que s'il y a déjà un meeple dessus, c'est pas grave pour lui. Hein. Ok. C'est à moi ? Okay. Non. C'est vrai. Tu diras vrai, qui va dans l'eau. Ouais. Trop de trucs. Non mais là, j'ai... Il y a beaucoup de cartes. Tout ça. C'est quoi, c'est un jeu d'une centaine ou quoi ? Il y a combien là ? 200, 300 cartes, je dirais. Ah ouais ? Bon, ouais, après, il y a pas mal de doubles. Hein. Oui, aussi. Du chaînage, tu peux expliquer Alors, tu as une construction commune ici, ou une construction unique, donc gratuitement, dans ta main, si tu as ce symbole-là en créature, ou ce symbole-là en créature... Tu peux les poser gratuitement. Sachant que tu ne peux le faire que 3 fois dans ta partie, donc en général, en mid-game, c'est intéressant pour placer. Mmh. Et en fin de game, un truc qui rapporte beaucoup de points et qui coûte beaucoup de ressources. Si tu as les possibilités. Oui, que tu gagnes gratuitement. Non, mais du coup, je peux pas le caler, lui. Je l'ai pris. Non, je j'ai pas ça. Caler. Bon, ça. Bah, j'ai tout posé, je pense qu'il faut que je change de chaison, non ? Là, j'ai personne à... ouais, si tu peux pas construire ou pas chaîner, t'as pas le choix et t'as peu de ressources et tu vas te faire plaisir toi, non ? Toi aussi tu vas changer de saison ? C'est con. Ouais, pas forcément. Parce que t'as pas de. Ou alors pas tout. Non, mais il va peut-être aller dans les ressources. Tu
peux peut-être construire ou chaîner, il peut. Ah, t'as pas de perso, non. Mais je peux construire. C'est toi qui vas être bien pour placer finalement tes ressources. Non, choix, tu vas avoir le choix de tes ressources. Ouais, carrément. Que... Tu switches de saison, c'est ça? Ouais. Allez. Alors, un meeple, je veux bien que tu me le passes. Hop. Tchap. Monsieur est servi. Ouais, c'est toi, monsieur est servi après. Tu pioches deux cartes de l'abbé. Ouais. Tu choisis. Excuse-moi. Ouais, remarque. Les champis là. Attends. Quand tu en pioches une, on libère une. Comme ça peut-être, potentiellement, ça peut être. Non, je vais pas, tu vois ce que je veux dire. Si, je vais pouvoir. Mais putain, mais moi, je n'ai pas décollé une seule fois, par contre. Si, t'es là. Non, oui. je sais pas. T'as fait un point. Là, t'es là. Ah, j'ai avancé deux. Ah oui, t'as fait une construction commune. Et à chaque fois, non, moi, je pensais là. Exact. Un port. Construction unique. Pas mal. Construction commune, ça veut pas dire que le mec aussi peut venir sur ta construction? Non, il faut un bâtiment spécial pour y aller dessus. Ah, c'est l'abbaye, je crois. Ouais, je confonds. Quand j'ai changé de champ, j'ai pas. Ouais. Si j'ai fait ça, ah, ça y est, j'ai la subtilité. Vagabond, on va dire que c'est un pouvoir qui va faire chier les autres. Ou qui permet d'interagir avec les autres. Créature, faut placer ton meeple pour faire l'effet. Et ça, ouais, c'est plutôt un pouvoir sur toi. Sur ton. Sur quand tu vas jouer une carte. Ok. À moi ? Ouais. Oui. Alors. Tu veux pas qu'il se place, c'est ça? Oui. Auberge. Je suis content. Pour 2 et 1. Parce que quand lui, il va arriver là, il va condamner 2 trucs de ressources. Mmh. Vu qu'il condamne 2 trucs de ressources, bah, ça fait moins pour nous. Tandis que... Nous, ça, moi, ça me laisse l'opportunité, vu que j'ai mes meeples. Nous trois, on a mes meeples. On se totale l'avance, c'est ça, avec tes trésors. Bah non, là, pour l'instant, on a tous nos 4 meeples et on est tous au même stade. Si tu veux, c'est lui qui a. J'avais un peu de retard au début que j'ai. J'ai récupéré. Ouais. Après, c'est pas grave. Hein. S'il y en a un qui a tout totalement fini, il peut compter ses points. Les autres, ils peuvent continuer à jouer. Vas-y, la construis. Hein. Je construis. Moi, je construis. Il faut que tu mettes un mec dessus. Ouais, je précisais pour les gens, c'est vrai que je ne. Moi, je construis. Je mets un pont de corde, donc. 5 cartes ou 2 ressources. Je prends 2 ressources, mais attends, pour le construire, il faut que je paye. 2 ressources de ton choix. Je paye 2 bois. Bien sûr, c'est ce qui vaut le moins cher. Et je prends. 2 ressources. 2 jambignums. Pour pouvoir construire un autre truc. Il a un plan. Ah, c'est bon, il a optimisé, il a compris. Un petit peu. Moi, j'aurais été toi. J'aurais direct chopé les ressources parce que lui, c'est probable qu'il ferme avant la prochaine. Ouais. Et donc, 2 trucs ici, voilà. Vous êtes tous en train de construire, vaut mieux que j'envoie. Ouais. Bon, on verra, peut-être. Voilà. Tu verras bien. Je t'en prie. Et j'ai pas avancé mon truc. Construction commune, tu avances, tu as raison, tu gagnes un trésor en plus. Heureusement que je suis concentré. Ouais, tout à fait. Et toi, ta créature, t'as avancé? Non. Et c'est construction unique? C'est une construction commune. Bah donc de 2. Bah de 2, effectivement. Je prends un trésor. Et moi, j'ai pas gagné de trésor. Si t'as gagné un trésor, je te l'ai donné. Ah, génial. Bon, heureusement que tu es attentif. Ouais, très bien. C'est à toi, Aurel. Je sais même pas ce que je veux, mais t'es déjà au taquet sur ce que non, tu veux répondre. Quand lui, il va passer ici, vu que c'est la milieu de partie pile, on va faire un compte rendu de tous les points pour qu'on voit à peu près le classement. Ah oui, c'est vrai, on devait faire un... Ouais, un vu que je me suis rappelé que mais j'ai zappé. On fera après. Ouais, parce que là, c'est mieux de construire, de récupérer des ressources, vu qu'il va changer peut-être. Là. C'est mieux de construire, là. Enfin, de récupérer des ressources. Ou alors que je jette... Personnellement, moi, je suis plus sur de l'optimisation de ressources. Sachant que lui, il risque d'en faire disparaître 2. Donc potentiellement, les 2, on est placé histoire que ça ne le gêne pas, s'il trouve des trucs intéressants ou pas.
Sachant que tu as beaucoup de choix de ressources. Et là, tu as deux ressources. Franchement, un shop des ressources. Juste ce que tu as dans ta banque de ressources. Ouais, parce que moi, c'est les champignons que j'ai besoin de toi. Honnêtement, je préférerais que tu construises et que tu me laisses prendre des ressources. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prends les ressources, clairement. Ouais, grave. Bah, en fait, de chambon, soit tu avances ton bateau, soit tu prends des ressources. Parce que finalement, ta construction. Soit tu construis. Tes constructions, t'es pas pressé pour les faire vu que ça te prend pas de placement de meeple, tu vois. Ouais. Avoir une construction que tu peux faire en réserve en se disant, bah, je la fais. Tu vois, moi, mon tour d'avance, j'aurais pu construire. Mais je préfère rafraîchir mes meeples pour pouvoir choper des ressources plus chères parce que sinon je vais devoir payer en trésor. Ouais. Tu vois, donc après, ouais, c'est le gâche. Je vais là alors. Ah, le bâtard. Ah, saison. Ah, c'est sûr. Les petits mots gentils. Ouais. Ton. Chop, chop, chop. Arigato. Et je vais virer. Ça. Tu les retournes, hein? Ouais, oui, c'est suffisant. Plus simple. Et celui-là. Okay. Pourquoi t'as fait ça? C'est la marée haute. Tu rafraîchis la rose des vents, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Okay. Donc maintenant, c'est les créatures qui vont nous rapporter des points, plutôt que les constructions. Et c'est les vagabonds. Et donc le pont. Tu dois pêcher des cartes de la bête. Ouais, un vagabond, forcément. Attends. Pardon. Et une créature. Ouais, mais c'est des champis. C'est des créatures communes. Ouais, activer deux différentes. Oh, c'est bien ça pour moi. C'était. Bâtard. C'était. Voilà, ça c'est fait. D'accord. Donc c'est à moi. Ouais. Eh ben. C'est même pas évident en fait. Bah, t'as tout ce qu'il te faut là quand même, hein. Ouais, là, c'est moi qui suis baisé, hein, je pense. Ouais, là, ce tour-là, tu vas te faire shooter. Donc, petit récap des points. Donc, moi, j'ai 1, 2, 3 points sur et potentiellement 3 points plus 14. Ça fait 17. Voilà, et potentiellement ressources ou points, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 16 points supplémentaires. Oh, 32, 33 points. 33. En réalité, sur 3, 4, 5, plus jaune, 6, ça fait 11. Et deux trésors, ça fait. Ça, ça compte pas. Et ça, c'est 6 points en plus. Ça fait 19. Donc, on est pas mal aussi. Moi, je suis à 2. Bon, 4, la moitié 5, de toi, quoi. 7 avec mes cartes. Je suis ici. Donc, je prends. 6. 4. Non, 6, pardon, excuse-moi. Ici, c'est 7, 13. Ouais. Et c'est tout. Et ton trésor, t'as compté? Ah oui, pardon. 15. Merci. Potentiel. Donc, tu vois, tu te places en deuxième quand même. Et Arthur, il enfin, a peut-être. 2 et 1, 3. Et 2, 5. Et. 2, 7. Mais il peut encore, oh, il rien peut encore remonter. On a déjà vu des remontées. Mmh. Ça qui est bien, c'est que bien que tu puisses faire des mauvais départs, ouais. Bah, tu peux quand même remonter. Mmh. Ouais, il y a des jeux vraiment le mauvais départ, ça te fout dedans, c'est foutu. Quoi. On avait testé ça, un jeu comme ça avec le chaudron là. Gilinus ? Non, ouais, non, non, non. C'est un jeu d'alchimiste. T'as un chaudron au milieu et t'as des dés pour récupérer tes ressources. Okay. Et si t'arrives à faire des potions, ça te donne des bonus, donc tu récupères plus de ressources. Et si tu te foires, tu fais des mauvais jets de dés au départ, t'as pas de ressources. Et du coup, les tours d'après, quand enfin t'arrives à gagner des ressources, ouais. Eux, ils en gagnent trois fois plus que toi. Non, t'es là, t'es laminé. Si les deux premiers tours, t'as pas de chance, t'es foutu. Quoi. Potion explosion ? Je sais plus. Non. Alchimiste de machin. On entend du mat. Tu pioches une carte, tu prends un saphir et un champignon et il se met bien. Ouais, tiens. Oh, ok, c'est une carte de là-bas. Ouais. Okay. Okay. Et pourquoi il y a beaucoup de champignons là, pour toutes les cartes? C'est une ressource assez facile à trouver. Bah, pourtant, tu peux pas y aller souvent. Mais là, on veut plus là. Dans foiré, t'as tout pris là. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a zéro champignon. Il y a les drogués. Les drogués aux champis, ouais. Il y a les pirates. Attends, nous, toi, tu les veux pirates, pas... hein, genre le mec trésor à fond. Oui, toi, non. Tu veux pas défausser pour l'instant. T'attends que nous on fasse d'autres choses. Bah non, mais moi j'ai 3 meeples, je vais pas changer de. Oh, mais ça se trouve, t'as pas besoin des autres. Ouais, si, je vais quand même prendre au cas où. Hein. Je suis toujours utile. Hein. Mais, par contre, y a que des cartes qui valent que dalle. C'est de la grosse merde. Ça me rend ouf.
On saute en d'Arthur. Ouais, je fais, si, je vais faire ça. Trois de bois. Ça me resservira avec mon plongeur, ça me fera trois trésors en plus. Wow. Voilà. Chier, j'ai un plan, mais. Ouf. Mais notre enfoiré, il a pris les champignons, ça. Mais oui, je t'ai vu prendre ça, je me suis dit, mais il a pris au tour d'avant les champignons. Mais je sais où je vais me placer, du coup. Mais ça va me coûter cher, c'est drôle. Change de saison. Pourquoi? En mode défait. Change, mais. Passe à la saison suivante. Rachid. C'est pas grave, t'es pas en play-off, on t'en veut pas. C'est trop de cartes, ça, là, attends. On t'en voudra pas. Mais ça, par contre, des cartes qui rapportent beaucoup de points de victoire. C'est une DR, j'en ai pas. Hein. Bon. Moi, je vais là. Deux algues. Je crois que c'était une. Ouais, toi, c'est à toi. Merde. Merde. Ouais, t'as fini ? Ouais. Ouais, c'est à toi. Bon. Alors. Mais je peux rien faire d'autre, c'est désolé. Hein. C'est quoi en fait ça ? On peut pas caler un. Ah si, tu peux, c'est pour obtenir un de ces trucs-là. Et là, on peut pas le faire tout de suite ? Ah si, bah, tu remplis les conditions aussi ? Oui, carrément. Ça te donne des points de victoire. Donc, soit t'as un bâtiment de chaque, soit t'as trois bâtiments créatifs, soit t'as trois bâtiments. D'où le chaînage peut te permettre d'obtenir le. Oh non, mais moi, il y a que des. Ah ok, d'accord. Et sachant qu'en fait, ça, pour vraiment marquer des points, faut en avoir au moins trois. Pour vraiment que ça te rapporte. Parce que un seul, ça me rapporte une, en manque deux. Oui. Et trois, chacun me rapporte six. Donc ça me fait 18 points, tu vois. Ouais. Enfin, mais du coup, tu dois les mettre. Parce que c'est ceux qui sont présentés sur. Pas ceux que ouais, t'as en main. Ceux non, ceux que t'as posé, ceux que t'as réussi à poser, ouais. Et tu les poses en échange de ça ou... Non. Tu les gardes. Tu les gardes, tu poses juste un meeple pour pouvoir récupérer. Ça te coûte quand même une action de meeple. Exactement. Vas-y, à toi. C'est des charognards. Ah. Je me mets là. Oh là là, tu aurais pu au moins prendre ça, quoi. Le dernier truc de ressources. Non. Non, parce que c'est ouais, pas t'as rentable, du jumps. Ouais, grave. C'est pas rentable. Toi, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu vas faire de la même. Tu t'en vas. En trois ressources que je veux. Deux champignons. Bah ouais. Pendant trois champignons d'un coup. Ouais, c'est précieux les champions. Et je peux me caler avec toi là ? Oui, il y a trois places. C'est à toi, Arthur. Je vais. Putain. Sachant que j'ai plein de cartes quoi. Donc. Mais ça coûte cher. Plein toi. C'est un stock. C'est vrai que ce. Non, mais Scriptorium. La carte qu'il a posée, Scriptorium, ça te permet de piocher 4 cartes d'un coup. T'as le pont de corde, 5 cartes aussi, c'est pas mal. Mais bon, il y en a qui volent les ponts de corde. Hein. Je vais faire des posts sur tous les réseaux. Comme ça. C'est pas censé servir un point, ça. Pas encore. Vas-y, Sachant que t'as ton, tu peux chaîner ton. Ouais, mais trois trucs. Ici, tu peux chaîner. Ah ouais, c'est ce que je t'ai demandé ici, tout à l'heure, ouais. Ouais. Non, mais je tu peux pas chaîner un pont de corde parce qu'un pont de corde, c'est une construction. Ouais, c'est la base, ouais. Ah, remarque, putain, c'est pas mal. Ouais, mais du coup, ça. Ok, putain, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte, hein. Franchement. Franchement, les mecs ont créé ça, ils ont passé beaucoup de temps, quoi, parce que c'est impressionnant. Je trouve que le plus compliqué dans un jeu, c'est que ça soit pas, ça soit équilibré. Ouais, parce que en fait, tu passes de 0 possibilité à genre 20 possibilités différentes, tu vois. Genre là, je peux faire. Ouais. Bah écoute, tant pis. Mais ce qui apporte une grande rejouabilité, du coup. Ouais, exactement. Ouais, vraiment, ouais. Non, c'est. Parce que cool. C'est vrai que la première, tu as le mécanisme. Bon alors, j'en jusqu'à trois cartes. Hein. Ok. Oui, je pense que je vais virer mes trois cartes. Si je peux... Du coup, ça coûte une blinde. Je vais peut-être pas.
Ok, je m'en fous. Ça. Non, pas ça. Ouais, il est sous ça et. Et lui, il y a les. Non, c'est dame. Lui, il est nul. Vas-y. Ok, donc là, je vire ça. Je vais. Je sais plus. Ouais, voilà. J'ai mis ça là pour l'instant. Et je me prends une ressource. Trois ressources en tout. Défausser jusqu'à 3 cartes pour gagner une ressource à part truc des sauter. Ok, d'accord. Et bah. Ouais, bizarre. Comme par hasard. Oh, le bâtiment qui coûte 5 champignons. Ouais. Bien sûr. Hypocrite. Ouais, ouais. Bah, et toi, pourquoi tu sacrifies pas des trésors par exemple toi. Les crabes aiment les champignons. C'est pas raison. Ça nourrit bien. Parce que le cours du champignon explose, les gars. Franchement, j'ai l'impression, ouais. Il reste pas de nuit, depuis tout à l'heure, bizarrement. À toi. Enzo, c'est pas gentil d'envoyer des sextos pendant qu'on joue. C'était un peu la promo du coup. En deux speed tout à l'heure. Ouais. On a du monde ? Une personne. Eh ben, merci. Non mais c'est moi. C'est le retour là pour qu'on ait le chat juste à côté, qu'on puisse souffler lire, ouais. Parce que vous êtes un peu loin d'ailleurs. Donc là en fait, personne nous regarde quoi. Ah, le truc qui est curieux, je sais pas pourquoi, c'est que les rediffs, elles marchent mieux. Ouais. Bah oui, parce que tu... On va dire qu'on est quand même en soirée, il y a beaucoup de gens qui font le pont, qui bossent pas aujourd'hui. Ah bah ouais, c'est sûr. Il y a Marseille qui joue. Mais donc voilà, donc après, ça te permet d'être plus quand tu veux, quoi. Oui, poser ça. C'est les moments qui sous, tu peux mettre en vitesse x2 quand t'es en replay. Mmh. Dis-moi, c'est que quand Enzo il joue qui m'intéresse à revenir. Ah, ça a l'air de rigoler. Attends, je reviens derrière. Il parle de quoi ? Il parle de quoi ? Je fais ça. Ouais. Je paye 2 balles. Ouais. Et après, il faut que je pioche 5 cartes ou 2 ressources. Des conseils avant 18 ans. T'as mis ça ? Ça, je peux dire. Ouais, c'est normal. Ouais, je prends 2 champignons. Ça va, tu peux lâcher. Du coup, t'abandonnes ton dos quand t'es jaune. C'est pas mal. Les gars, ils sont tellement d'insultes. Cool. Ok. Ça va. À toi. À moi. Alors, on y va. Chaînage. Normalement, c'est l'hiver, le chaînage. Mais bon. Non, c'est con. Non, c'est con. Non, mais tu le chaînes. Tu payes pas les prix. Ça, je viens de relire son effet. C'est non, mais tu te déplaces. Ah, tu l'as ? Je l'ai jeté, parce que j'ai trop besoin de shampoing. Non, mais j'ai pas de nipple. Ah, si ! Tu te déplaces. J'ai plein de nipple, toi. Eh, bande de bâtards, qu'est-ce que vous faites à mon quai, là ? Les 3 squatters, les 2 squatters, là, bande de salauds, là. C'était les drogués des. dans la forêt là. Sur un nouveau lieu, occupé ou non, et activez-le. Ils étaient dans la forêt. Ah, mais si, bah si, du coup, si, carrément. Donc, ouais. Je viens de comprendre, oui. Allez. Clandestin. C'est comme si une étoile de mer. Avec un gun. Avec un gun. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Et je vais me. Sinon, ça serait trop de la merde. Je te jure. Ouais. Tu peux, j'ai mis le stream en. Lutte. J'ai mis le stream en. Noline. Parental. Parental advisory. Hop là, c'est mon pote. Tu nous as le gain, bois. Tu prends même pas de champignons. Moi j'en ai assez en fait. Attends, il y a une algue qui. Tu prends combien là ou là eh. Merde, excusez-moi. 2 algues et 1 bois. Ouais. Surveiller, hein, faut surveiller. Hein. Bon. Navarre, s'il vous plaît. Navarre. Il a dit 2 bois, 2 algues dans. Oralement déjà. On verra au ralenti. Ouais. Bon, bah moi je pose. Soit lui, soit le. Les champignons là, que tu. Ah, franchement, elle, c'est une loutre et tout. Depuis tout à l'heure. Quoi ? Ouais, je suis mute depuis tout à l'heure. C'est-à-dire quand j'ai toussé. Non, c'est bon. Je le vois d'ici. Allez. Si ta loutre elle est allumée, c'est bon. Paye l'amiral. J'ai le droit. T'as combien de champignons ? Bah, j'en ai tu pas mal. La construction d'abord. Alors, j'ai construit des choses, mais. Oui, mais là, l'amiral, c'est une créature. Elle coûte cher, mec, tu veux pas ? Il a rien. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est si tu fais le bâtiment, parce que t'as un bâtiment, t'as le galion.
J'ai le galion. J'ai le galion, et avec le galion, j'ai... tu peux poser l'amiral. Le galion. Eh ouais. Ouais. Quoi, le galion, Très cher, là, je viens de voir très cher. Il y a du bois, du... Et tu vas pas changer. Il coûte pas si cher, mais c'est pas ce que j'ai choisi, quoi. C'est pas... Ouais, t'étais dans ton plan de construire... Mais il me fallait, en fait, je voulais le caler, ce mec, ouais. Bah cale, c'est pas grave. Sinon, je cale le gouverneur. Ou je cale un... Non, franchement, allez. Je vais y aller petit à petit. Je mets mon herboriste. Voilà. Allez, que j'ai montré tout à l'heure. Ouais, deux champis. Ma petite grenouille tortue. Voilà. Ouais. Deux champis, mais. Qui te rapporte. Qui me rapporte un champi. Donc tu payes qu'un champi. C'est bon, quoi. Après avoir joué une construction. Ah. Donc quand t'auras joué une construction, tu gagneras un champi. Ah, donc je vais te donner deux alors. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vu que c'est une construction qu'on a un de base. Ouais. Ah oui, ah bah oui, d'où la réflexion que tu disais tout à l'heure. Oui, logique. Allez. Donc théoriquement, t'as une carte à piocher pour celle-là. J'ai une ressource. Ouais. Ah oui, oui, j'ai une ressource que je peux remplacer. Jouer une carte, tu peux remplacer une de tes ressources. Bon, c'est un peu tard là. Ouais. J'avais qu'à faire gaffe. Ok. Mais en plus, ça, c'est tout le temps. À chaque fois que tu poses une construction, ouais. Marqué. D'ailleurs, c'est quoi que t'as posé? C'est une créature? C'est une créature unique, ouais. Créature, donc tu avances d'une case. Il est rouge. Et tu gagnes un trésor. Un trésor de plus. Ah ouais, c'est pas si mal joué. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, à moi, je pose mes deux précieux champignons pour poser mon écureuil de mer, qui est une créature donc, qui va me faire avancer d'une case, et j'ai aussi le pouvoir du voilier qui me fait avancer en tout 2-3 cases. 1, 2 et 3. Et voilà, un trésor. Pour revenir sur la visibilité du truc, c'est que par exemple sur mon Galactic 4 avec Simon et Charlie l'autre jour, on avait fait je crois 3 ou 4 viewers, et au final dans les vues du replay on est à 200, tu vois. Quand même. Et pourtant j'ai fait genre zéro promo, tu vois. Ouais. Quand j'ai fini le montage, j'ai fait hey, t'es là, c'est les mains. J'ai pas fait de TikTok alors que j'avais fait des TikTok et tout avant. Ouais, t'as pas coupé. Vas-y. Alors en fait j'avais fait un montage, le montage a bugué. Genre tout le son et tout, mes images elles se sont décalées. Je sauve ce que je peux sauver, et tout le reste du montage, je m'en bats les couilles. J'ai sauvé les meubles à peu près, et après je fais ouais, ça m'a saoulé. Parce que vraiment, c'était pas décalage de 1 minute, c'était décalage de 20 minutes. Ah ouais. Et c'est bon. Je suis un peu perdu parce que j'aimerais bien chaîner, mais je pense que j'ai pas des ressources pour. T'as pas besoin de payer les ressources hein, pour chaîner, c'est ouais, gratuit. C'est justement. Gratuit justement, ouais. Bah genre avec ces deux-là, là. Ce que tu disais, que ça faut les jouer à la créature fin. Créature et créature, tu pourras jamais les chaîner. C'est faut que t'en aies un qui ça soit un bâtiment. C'est ça. Je me retrouve avec le même problème, j'ai quasiment que des créatures et un peu de bâtiment qui est déjà chaîné. Donc ça, c'est pas censé être un bâtiment, là, ça, par rapport bâtiment. À la configuration ça, là donc c'est un bâtiment, donc t'as le droit de poser une créature vagabond gratuitement. Voilà, si tu en as une en main. Le principe de chaîner, je dirais, de combiner les cartes, mais... Oui, ça représente si t'as une créature verte. Vu que t'as une construction verte, je peux la combiner. Tu chaînes et c'est gratuit. T'as pas besoin de payer de ressources. Oui. Et là, par exemple, comme ça, les créatures vagabondes. Par exemple. Vu que t'as une construction vagabonde, tu peux chaîner et envoyer un. Bah, je vais faire ça. Alors, tout à l'heure. Est-ce que t'as une créature gratuite? Est-ce que t'as une créature qui appartient à cette espèce? Vu que c'est une créature. J'en ai plein qui appartiennent à celle-là. Déjà, tu peux chaîner ça alors gratuitement. Ah ouais. Par exemple, donc tu gagnes. Là, j'attends mon tour. Ça coûte un tour, quoi. Et ça te coûte un tour. Un trésor et on avance. Oui, mais bon. Qui vaut potentiellement 2 points et tu avances d'une case, toi t'es jaune. Ouais. Donc elle t'a rapporté minimum 3 points de victoire, maximum 5. C'est à moi mal. Ok. Est-ce que c'est à moi? C'est à toi. Oui. Alors on y va, le castor. Boum. Saphir. Carte. Et dans ce jeu, quoi que tu joues pour toi, mais ça fait chier. Tu fais chier les gens, pardon. Ok. Arthuros, c'est à toi. Si je. T'as déjà joué ta tortouille là tout à l'heure. Ouais. Change de saison là un peu là. Que... Je joue ce que je. Prends ton temps. Ah ouais, là t'as plus de. J'ai plein de possibilités. J'ai plein de possibilités. C'est ça qui est beau dans le jeu. Mais oui. Ça s'est ouvert d'un coup là pour toi et là t'es en train de réaliser que merde. Donc je peux faire plein de trucs, mais bon, j'y vais un peu les yeux fermés quoi. Mais. Mais les îles, elles peuvent disparaître à jamais, c'est ça? Ouais, c'est fini, là. À part si tu as... Là, c'est fini. Il y a une certaine carte que j'ai vue qui peut rendre certaines îles visibles, non? Le cartographe. Non, il fait pas ça? Je sais pas.
Copier un lieu du rivage ou une île face visible. Non, c'est pas, ouais. Il peut pas la retourner. C'est pas un truc. Non, en fait, ça te permet de si la ressource est occupée par quelqu'un, ça te permet quand même de la récupérer. Voilà. Ah, d'accord. Okay. En gros, tu la joues, tu mets un meeple dessus, ça fait l'effet d'une île. Voilà. Ouais, bon, non. Pourquoi ils sont deux là-bas tout à l'heure là. C'est chaud. Parce que lui, il a utilisé la carte clandestin qui lui permet d'aller sur une île et de copier le pour enchaîner avec quelqu'un. Est-ce que je dois payer 3 champignons? C'est gratuit, c'est ça. Vas-y, vas-y, je fais ça. Et en plus, il y a la... En plus, tu fais l'effet. C'est pas bénef, la vie. Donc, chenage, c'est gratuit, mais t'en as 3. C'est bénef. Tu mets lui ou je mets... Attends, c'est faut pas chaîner au début, on sert à rien. Si tu mets le truc, c'est gratuit. Voilà. Si tu chaînes au début, pour que ça te fasse une fois de plus le pouvoir, c'est intéressant de le chaîner au tout début. Après, vous pouvez déposer jusqu'à 3 pour gagner un truc. Pour chaque carte déposée. Elle est pas belle la vie. Ouais, mais en plus, il m'a fait gagner des. Ok. Ok. Vas-y, j'enlève ça. Bon. J'enlève ça. Ah ouais, bon, ça. Qu'est-ce qu'on fait? T'as trop de choix. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces cartes à la fin? Parce qu'il y a bien à la fin de la partie, de la dernière saison. Ça vaut rien. Ça vaut zéro. Ça vaut après, ça peut te permettre de défausser les cartes pour avoir des ressources. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est ça le but. Ouais, je vais faire ça. Bang, bang, bang. Attends. Putain, il est au pire, franchement. Je vais jouer ça. Ouais. Excusez-moi. Non, attends, mais. T'en fais pas pour nous. Pourquoi t'as pas beaucoup de trésors là depuis tout à l'heure, par exemple? Parce que moi, mon galéon, je l'avance pas. Ouais, c'est pour ça. Ouais, il aime pas. Regarde, non, mec, moi, cette moi j'avoue que j'ai fait un truc pour optimiser mon déplacement de galéon. Différent dans votre ville. Mais donc, eux ils sont. Ouais, ça, c'est une construction. Ça, c'est pas. Non, mais toi, tu gagnais des trésors avec. Ah merde, pardon, oui, d'accord. Tu gagnais un trésor. Tu vas rechoper un deuxième trésor. Ouais. Grâce à deux villes vertes. Si t'avais deux villes vertes, par exemple. Ça, c'est une construction. Ce qui te permet de t'as eu des cartes de trésors et la carte qui permet de déplacer, donc celui-là, en fait, je vais le refaire une deuxième. À moins que tu reconstruises. Ça me permet d'avancer 4 cartes, donc je vais gagner 8 points. Et là, si tu refais après, en plus, après, c'est vraiment parce que tu vois, j'ai 2 cartes en main, j'essaye d'optimiser un maximum, mais et là, ça coûte que des. C'est pas mal, en vrai. C'est pas mal, ça. La merde. Vas-y, je vais faire ça, je crois. Écoute. Ah ouais, mais attends, je voulais fausser des cartes. Ouais, je sais pas. Ah, je sais ce que je vais faire. Ah, mais j'ai trop de. Putain, il y a tellement de choix. Je suis pas prêt de changer de saison, les gars, je vous le dis. Écoute, moi, j'ai pas le choix. Bah. Mais non, putain, j'ai joué ma créature unique, je devais récupérer une ressource. On est d'accord que créature. Non, ah, putain, c'est construction unique. C'est bon ou c'est trop tard? Bon, désolé, hein, je. Oh, t'inquiète pas, je fais. Je vais remplacer, mais vas-y, plein. Pourquoi je voulais défausser des cartes, moi? J'avais un truc pour ça. Pour des ressources. T'avais un pouvoir. Pour des ressources, ouais. Non, ton quai, tu l'as joué trop tôt. Ta planque, tu l'as joué trop tôt. Ouais, oui, globalement, oui. Tu t'avais pas encore, joué, mais globalement, tu l'as joué trop tôt parce qu'elle aurait pu te rapporter plus de points de pouvoir. Ouais, par la suite, ouais. Faire tes cartes. Ouais. En fait, elle a pas un gun, elle a un sabre, le tour de mer. Bon, ok. Allez, ton jeu fausse. Bang, bang, et. Une dague, une petite lâche, une épée. C'est Patrick l'étoile de mer, on est pas dans la merde. Enfin, lui. Bon, enfin, il est un peu vénère, Patrick, là. Ok, je fausse 3 cartes. Ok. Bah, j'utilise le pouvoir de mon de ça, en fait. Patrick, elles sont là-bas, elles fausses. Hop. Et je prends. Ah, là-bas. Un truc comme ça. Non quoi. C'est gâché. Tu voulais? C'est gâché. Bah, moi, ça permet de chaîner avec le. Avec ce que j'ai dans la main pour payer de champignons, et sachant que ça, j'ai les ressources, tu vois. Désolé, j'ai l'impression que je l'emmerde beaucoup dans ma manière de jouer. Donc, je récupère un truc comme ça, et... Non, bah, t'as fait 3 cartes, t'en récupères 3, mec. Tu récupères... il s'est mis où? Non, il a fait le pouvoir du scribe. Ouais. Ah non, gagnes... Ah, non, il a raison, c'est moi qui dis comme une merde. Attends. Oui, jusqu'à 3 pour gagner 1, et piocher... Attends, le pouvoir du scribe, tu viens de poser la carte? Ouais, okay. La chaîne, et... non, je l'avais pas chaîné avant. Non, je viens de la chaîner ouais, avant. Ok, d'accord. Non, elle était donc dans ton... 3 okay. Dans tes et cartes. Et tu pioches 3 nouvelles cartes. Non, j'ai mal lu, mec. Il défausse 3, il gagne 1, ce qu'il a fait. Et ensuite, il pioche une carte pour chaque carte défaussée. Donc, 3 cartes. Vous gagnez 1 et piochez 1 pour chaque carte défaussée. Il gagne 3, c'est ce qu'on a fait depuis le début avec Aurel.
Moi j'ai changé ouais, 3 cartes contre 3 coquillages. Bah, c'est bon quoi, je peux pas faire plus. C'est souvent, c'est déjà pas mal. Hein, bien. Que, moi souvent, ce qui m'aide dans la lecture des cartes, c'est à cause de Yu-Gi-Oh! Parce que les effets sont tellement mal expliqués que tu te fais niquer. Genre les virgules, les points virgules. Par exemple, si t'as un effet de carte dans Yu-Gi-Oh! Et qu'il y a un point virgule. Et toi ou ça un s'additionne, point, ouais. Ouais, les effets s'additionnent. Un point virgule. Bravo, j'ai pris une carte. Ouais. J'ai pris un parchemin ici parce que j'ai mes 4. Et qu'il n'y a aucune ressource, bande de squatters de ressources. Les castors surtout. Par exemple, il y a des effets, genre c'est genre une fois par tour. En vrai, non. 1, 2, on a à peu près égal. Pas mal, les mecs. Non, c'est toi aussi beaucoup. Bah, c'est à cause de la marée haute. Hein. Mais... Ah oui, il y a moins de place. Tu peux enchaîner que 2 cartes ou tu peux en t'as enchaîner 3 chaînes, toi. Moi, j'en ai plus qu'une. Mais bah, je choisis celui-là, là, avec mes 5 champignons. Un truc comme ça fait 2 cartes. Gouverneur, ouais, tu peux pas rassembler 3 avec 1. Ça va t'abuser. Combo! Si tu veux combo plus 4! Ah, j'ai 5 cartes déjà dans ma ville, là t'en as 5. Maintenant on remet des champis et plus personne n'en veut. Si! Mais, attends, plus personne peut en récupérer. Excusez-moi, mais à chaque fois j'oublie de déplacer mon bateau en fait. À chaque partie. Il a construit une créature commune. Le scribe, créature tout à commune, une seule case. Et c'est une verte. Et il est. Donc, t'as un trésor. Toi, t'as créé une créature, je veux dire, une case. Ok, il a un trésor. C'est vrai. Il faut se souvenir de tous les trucs. Hein. Ah oui, c'est la première c'est partie. Ouais. Après, sur les parties suivantes, t'es là. Tu pars. Hein. Ouais. Ok. Mais c'est que les créatures, c'est pas les bâtiments que t'as avancé en bateau. Parce qu'avec la route dedans, c'est ça. T'es fait mort par l'écureuil, là. Alors. Pour un bois et 3 saphirs. Ouh. Merde. Tiens, ça, qu'est-ce que tu fais ? Je fais un phare. Lorsque vous déplacez votre bateau d'au moins une case grâce à la hausse des vents, vous pouvez défausser une carte et avancer une carte d'une case supplémentaire. C'est pas mal. T'as des cartes. C'est pas une créature et c'est bleu. Et pour l'instant, c'est tout. Ah, c'est bleu, c'est pas Joker ? Ok. Malheureusement. Arthur, c'est à toi. Bah moi, je mets... Je vais mettre un truc qui m'intéressait. Un truc que je voulais combiner. Je vois que Clément est en train déjà de planifier 50 tours à l'avance. Non, juste pour le prochain tour, ça va dépendre de ce que je chope. Attends, j'en avais vu une qui m'intéressait plus. Peux ça, tu l'avais joué tout à l'heure. Active 1. Si je le joue, en fait, ça active 1. Donc c'est soit celui-là que ça active. Non, ça, c'est une créature, ça active que ça. Okay. Parce que ça, c'est une construction. D'accord. La douane. Connerie. Hein. Ça active les activations de pouvoir, c'est les activations des constructions ou ça compte aussi pour les créatures? C'est-à-dire? Il a un truc qui lui permet d'activer un pouvoir vert. Fais-moi voir. C'est ce que tu avais posé, tu sais. Oui, bah c'est ça, bah c'est qu'importe. Moi j'ai refait le pouvoir de la construction. Oui, d'accord. C'est un pouvoir vert. Ouais. Ouais, non. Excusez-moi. J'ai trop de règles de jeu en tête. J'aurais préféré celle que t'as pioché, espèce de bâtard là. Tu peux en utiliser 2 différents comme ça, je fais hop, un trésor, hop, 2 cases en plus, et avec un trésor. Ah, je te jure. Ah. Alors, bah, je vais poser. Il est pas terrible lui. Bah, lui, je combine ça et ça avec une encre. Non, ça c'est une créature. Il faut une construction. Ah, alors je. Alors tu payes. Je paye, bah, voilà. 3, je ça paye. Va, ça va. Ouais, ça ouais. Va. Et lorsque vous déplacez votre bateau d'au moins une case, avec la rose des sables, il y a un petit décalage. Vous pouvez piocher une carte. Tac. C'est moi qui parle très longtemps, peut-être. Un trésor et tu pioches une carte. Voilà, excuse-moi, Clément, tu disais. Ok. Tu disais ? Il y a un petit décalage avec le direct. Ah oui. Si on dit des grosses insultes comme ça, on peut le couper juste à temps. Bon, d'ailleurs, on l'a fait plusieurs fois depuis. On a insulté absolument toute la terre. C'est à vous, les gens, je crois. On marquera que c'est à moi, je change de saison. Ah ouais ? Bah ouais, c'est 2 cartes.
Ah oui, tu peux checker mon bateau, Enzo, il a, c'est bien, il a c'est bon. Ouais, il a, c'est bon. Okay. J'ai avancé de une. Oui, tu m'as donné un trésor, c'est bon, vas-y. Ouais, okay, on est bon. De toute façon, tant que j'ai des ressources, même si je suis à mon dernier tour, je peux construire, je peux enchaîner. Ouais, c'est ça qui est bon. Je récupère, je veux bien la moitié, s'il te plaît, là-bas. Ouais. Et voilà, monsieur. Touk. 1, 2, 3, 4, 5, on va avoir 5. Ouais, c'est super. Bon, du bois. Je vais pouvoir réutiliser mes pouvoirs, donc je veux bien que tu me fasses avancer de 4 cases, s'il te plaît, le bateau. Parce que je vais réutiliser le pouvoir pour faire le bateau. Je suis passé par combien de 4 trésors d'ailleurs ? Un seul. Deux. T'en as deux parce que t'es à 30. Ah, deux trésors plus le trésor du collectionneur. Il était à 28. Plus je sacrifie. Bah, t'as fait deux pas. Non, j'ai fait 4 en tout. Ah voilà, merci. 4. De 22. Plus je sacrifie 3 bois. Ouais, c'est bon. Hein ? Ouais, c'est bon. Pour gagner 3 trésors supplémentaires. Vive les trésors, mec. 5 trésors sur ce tour. Là, ça va me permettre de piocher des cartes. Enfin. Et ça, c'est piocher 2 cartes ou et. Et un c'est slash. Ça ma vraie question. Pour moi, les slash, c'est où ? Pour moi aussi. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fonction de tes jeux, ça peut matrixer ton cerveau à te dire comment tu dois gérer la carte. Attends, on va voir. Ça, va être... ça, c'est sûr que c'est précisé. Oui, je vais le regarder avant bien. D'ailleurs. Vas-y. C'est pour Dorel. Ouais. Automne, vous gagnez un nouvel ouvrier, prenez 2 cartes de la pioche et ou de la baie. Et ben voilà. Boum ! Ça, c'est beau, ça. Tu vas prendre ta douane, tu imagines ? Je vais prendre la douane, c'est fou. Ça libère ça. Mais je veux déconstruction, tu vois, surtout moi. Ben ouais. Créature unique qui va gratuitement avec la douane, c'est parfait. On va déconstruction. Ah, je peux pas l'avoir. Construction commune. Et je pioche 2 cartes parce que je suis en déch. Oh, des constructions Ouais, oh. Je pense. Oh, oh, oh. Désolé. Oh tes amours. Oh, c'est affaire. Ah, bah oui, c'est bon, hein. Je me suis fait plaisir. Et je suis pas le dernier joueur. Ouais, voilà, c'est bon. Oui. À toi. Mais par contre, il y a. Ouais, là, mais je sais plus ce qu'il faut faire ici. Ouais, bon. Tu défausses des cartes pour avoir des ressources en échange. Ouais. C'est genre que tu pouvais récupérer du bois là. Hein. Avant que ça soit pris par Enzo, ça le castor. Là. Ouais, j'ai pas forcément besoin en fait. Ouais. Ouais mais moi non plus. En fait, j'ai trop de combos en tête que je peux faire. Ça. Du ouais. Coup, les ressources, c'est. Deux cartes défaussées. Tu refais pas en échange. Hein. Ouais, ok. Et tu gagnes des ressources de ton choix. T'es Gucci là, mec. Mais qui reprend du bois, c'est... Non. Prends que 2 de bois, il a sacrifié 2 cartes. Ouais, souvent. Hein. Ben ouais, le saphir. À moi ? Tu vois, j'en ai pas dépensé un seul. Ah, ouais, c'est à toi. Alors, je vais mettre mon meeple sur l'auberge. T'as mis un phare. Je peux jouer... Et donc là, c'était une de chaque, en fait. Hein ? Mal compris. C'est pioche slash B, donc tu pouvais faire une de chaque. Bon, c'est pas grave. Pour la prochaine. C'est trop tard. Pour la prochaine. Ouais. Je mets mon meeple sur mon auberge. Je peux jouer une carte de la baie pour 3 ressources de moins. Ah, je décide de jouer ça pour 0. Ok. Et je gagne un saphir. Et tu gagnes un saphir parce que tu choisis avec le ça. C'est ça. Ça. Non, c'est la politique. Et ça, c'est un... Bah non, c'est une construction tu peux gagner. T'as ton port là quand tu joues une carte. Heureusement que je suis là. Non, une créature. Hein. C'est pas une créature. Ah. J'ai joué mon meeple. D'accord, ouais. T'as voulu m'aider, mais c'est, ouais. C'est tout à toi. Mais du coup, t'as joué une carte avec la douane, tu peux switcher une de tes ressources contre une autre. Ouais. C'est. Un champi contre un diam, ça vaut le coup parfois. Hein. Pas faux. C'est pas faux. Ouais, le champi coûte cher. Et c'est lui l'expérimenté parmi vous deux. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bien. Alors, moi, je. C'est à moi. C'est à toi. Ouais. Je défausse 3 cartes. Attends, comment je peux faire ? Non, je vais poser un Krabi. Un Krabi. Bah, il y a le bois de dispo. Et bah, le bois, ça me va, ça m'intéresse. Allez, c'est parti pour du bois. J'avais un peu... Il a qu'une seule patte et une seule pince entre le Krabi. Il a un peu handicapé. Le crabe a une pince. C'est un concept. Hein. Ah, ils veulent pas faire les focus, les crabes. Aujourd'hui, elles n'ont pas envie. Et il était où ? Et il du était coup, là. C'est tout, je peux pas faire autre chose. Ah, bah, t'as posé ton Krabi, t'as fait l'effet de ton truc ? C'était déjà fait. Tu l'as posé où ton Krabi ? Je l'ai posé là et j'ai pris mes 3 trucs.
Et du coup, il n'y a pas de genre d'activation, je sais pas, de non, carte c'est que là, la, que la saison. Quand tu changes de saison. Ah, ok. C'était... Non, t'as pas fait de construction, donc tu gagnes pas un champi. Et non, c'est bon. Et j'avance mon bateau quand même. Non. Bah, t'as posé quoi comme. Ah, si, oui. Non, bah non, il a juste posé son meeple. Il a posé son meeple. D'accord. Non, il a pas joué. Donc il a rien. Bah non. Oh. Peut pas tout avoir. Oh. C'est ça, mec. Ah, c'est bon, quand, moi, que quand tu joues un personnage là. Bah ouais. Un d'accord, pion. C'est vrai. Okay. Ou une construction. Non, non c'est un personnage. Un personnage pour avancer le bateau. Ouais. Ok. Un diamant. Et sinon, tu construis, t'as un truc fixe et en plus, t'as un peu dégueulasse. Tu vois. Après c'est avoir vrai. Joué putain, une carte, ce qui est le cas. T'as l'air là. Mais c'est lui, il a pas passé la saison. Mais vous avez pas changé de tour. Mais bien sûr, les saisons, elles sont plus longues ici, donc t'as jamais de ressources. C'est ce que ouais, je te dis. Moi, je suis allé là-bas parce que. Vraiment, focus sur les ressources quand tu peux parce que en late game. Finalement, c'est toujours quelqu'un. Genre, le dernier qui arrive là, il... c'est tout déjà bouché, il ne peut pas avoir de ressources. Ouais, ouais, mais il peut avoir les pouvoirs spéciaux, du coup, bah, là, il peut se décider de choper. Mais personne n'a changé d'idée de choper ça, d'ailleurs, ces trucs-là, là, pour l'instant. Je donne. Si, si, Clément, il en a un. Qui a ouais, pas beaucoup de cartes. Ça coûte cher. Les ah oui, moi j'en ai deux. Qui a beaucoup, beaucoup de cartes et ça ne sert à rien. Bon, il en a plus que lui. Mais non, j'ai ah ouais, c'est vraiment, je lui donne à lui parce qu'on joue le. Ok. Donc moi, ça me permet d'avoir un point de victoire et de repiocher une carte. Et j'ai c'est une bon carte, d'accord. Waouh, il est stylé en plus. C'est une construction unique, donc ça ne sert à rien pour la Rose des Vents. Voilà. Ça, c'est fait. Pas mal, ok. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, on verra. Moi, je veux qu'on soit en marché. Trois ressources de ton choix. Ça commence à Citadelle. Ou deux. Et après, loin, une tu carte. Un truc. Non, c'est pas bah, en fait, quand tu joues une carte, tu peux la défausser. Dans 2 millions. C'est dans 2 millions. 3 ressources de moins. Ouais. Mais c'est une construction, donc tu peux la chaîner et après la défausser, par exemple. Et si t'as un bleu. Si t'as une créature bleue, tu peux d'abord chaîner, ok, et après défausser, ça. Ça fait les deux cartes d'un coup. Ah merde, il me reste qu'une carte. Deux pouvoirs d'un coup. Ça, c'est violé. Il me reste quelques. Bah, chiant, écoute, ça. Il me reste une saison de moins. Ça va. Ouais, mais ouais. Regarde, frérot, t'as tout ce que t'as en trésor. Mais ça joue pas tout de suite. Ah, bah moi j'ai optimisé sur le trésor. Hein. Et après, mec. Ah, t'as bien fait. Et puis t'es en avance aussi. Nous, on galère. Là. Et après, ah oui, je vise ça. T'as totalement raison. Je pense que tu fais la course en tête. Si j'arrive à caler ça. Sur moi, j'ai pas autant de points de victoire que je voulais. Ma partie se passe bien, mais j'ai pas autant de points de victoire. La chatte sur la pioche, j'avoue. Bah, celle-là, je l'avais dès. Non, celle-là, je l'avais depuis le début. Et celle-là, je l'ai eu en dernier tour de passage de jeu. Ouais, de la chance. Même si c'est tout flou pour vous, désolé, les gars. C'est ouais. La life. Je vais remontage. Dommage, on n'a pas une lumière en plus là-bas. Ça ouais, fait vraiment son. Ah, j'en ai, mais il faudrait les brancher, j'ai plus de prise. T'as qui ? T'as Enzo. À moi ? Ah, t'as joué ? Ah, ok. Ouais. Pardon. Je sais pas, il m'a dit pour l'instant. Pour deux champis, un tendant, et quand je mettrai un meeple dessus, je pourrais réactiver deux pouvoirs verts de ma ville. J'ai joué une créature, donc j'avance. 2-1. Je prends un trésor. Évidemment, avant que Clément ait tout pris. Et voilà. Clément. Ah, vu que j'ai joué une Clément. Créature. Clément. Qu'est-ce qu'il a fait, Clément ? Vu que j'ai joué une créature, je récupère une ressource. Je vais récupérer. Rien fait, de toute façon, c'est la pub pour l'instant. C'est la pub ? Tant mieux, parce que. On va faire la pub. Enfin, c'est la pub pour eux dans... dans le live, nous, pour ouais, la vie. C'est bien, tu joues sans pub, c'est cool. Bah, c'est une pub toutes les heures, je crois. Ça va. Ça va. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, c'est ça, ça fait une heure, je crois. À peine, ça fait 1h43 quand même. Une pub en 1h43, ça va. Pas de la gueule des gens. Bon. On a peut-être une au début aussi. Puis voilà. Je vais faire ça. Je vais mettre un douanier. Allez. Je vais payer 3 champis. Et du coup, j'active son pouvoir qui est de jouer une carte. Tu peux remplacer. Une de tes ressources par une autre. Ok. Donc, je paye 3 champis et je remplace mon rubis par du bois. Ouais.
Il a pas compris le cours de la bourse. Dans un village où le rubis est moins, le saphir est moins cher que le bois. Ce bois, c'est stratégique. C'est du bois flotté en plus. Voilà, c'est pas n'importe quel bois. Il fait une flamme verte si on le brûle normalement. Coupé à la pleine lune pour les. Essayez à la maison. Exactement. Enfin, pas à la maison, dans une cheminée. Sinon, t'es pas net. Vu que j'ai mis une créature unique. Je peux avancer, mon bateau. Trésor, tu peux avancer d'une case. T'as peut-être du trésor. Toi, t'es quoi? Toi, t'es rouge. C'est des rouges. Ouais. Non, t'as pas de trésor. Mais t'as deux points de victoire. Ouais, okay. Il y en a, ils sont. Donc, je prends mes deux. Je prends mes deux points de victoire. Hein. C'est les d'accord. C'est le. It's me. Mais non. Ah, les marrons, pardon. C'est les marrons, ouais, c'est les casters, là. Je prends deux points de victoire, tu m'as dit. C'est... Non. C'est-à-dire Tu m'as dit, j'ai le droit à aller voir. T'as pas pris de trésor. Tu prends 2 points de victoire parce que t'es passé de 8 à 10. D'accord. Validé par ça. Ok, bien sûr. Oui, tu as bien fait de demander, tout à fait. Excellent. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour quand tu joues tout en solo. Ouais. Ah, ok. On n'est pas en solo. Là. D'accord. Pas besoin. C'est parce que tu dois planifier tes actions à l'avance de l'ordinateur, un truc comme ça. T'as jamais streamé solo sur des jeux de société? Bah, et j'en ai en plus, mais c'est vrai que... Non, ça peut être à faire. Ouais, carrément. Ouais, carrément, je vais y réfléchir. Pourquoi pas. Ça me permettrait de rentabiliser un peu la cause, parce que je t'avoue que le matos, je l'ai pas tant que ça rentable. Ceci étant dit, je l'ai acheté hier. Après, tu le fais par plaisir plus que pour le... Oui, oui. Et puis je l'ai rentable à l'école, parce qu'on a fait activité émission de télé, donc du coup, je l'ai un peu rentable à ce moment-là, tu vois. Mais oui, effectivement, je fais ça. Ah, moi, c'est ça, hein. Ça pour le moi, je vais enfin pouvoir chaîner. Bah ouais, et puis surtout que t'as des grosses cartes. Bah ouais. Un gardien de phare sur ma douane. Donc vous pouvez, vu que j'ai joué une carte. Allez, tiens, quand même. Ça va bien arrangé tout à l'heure. Gagne un point de victoire que j'ai une carte. Je sais ce que c'est que d'être en déche de cartes pour ça. Et je peux piocher une carte après avoir joué une carte, ce qui est le cas. On est d'accord qu'on a décidé de faire l'effet instant. Hein. Oui, bien sûr. Ça, voilà, on a changé encore. C'est exactement ce qu'il te fallait. Je l'avais viré, lui. Il y a la pince là-bas, les mouettes bientôt. Mangent les morts et les castors. Je n'ai pas une construction. J'ai pas envie de défausser ça. Ok, bah c'est bon. C'est bon, cette fois. C'est bon. Je sais pas ce que tu m'as donné, alors je regarde. C'est le truc bleu que j'aimais bien tout à l'heure, mais j'ai pas de... T'as plus les ressources. Ouais, bah c'est toujours en... à un moment de la partie, ça devient ça. Ouais. C'est un champion. Ouais, je vais en remettre là-bas, là, pour finir. Et je dois jeter, c'est que ça pue, quand même. Moi, je vais jeter ça. Je pense que je la ferai jamais, celle-là. Trop cher. Ouais. Ouais, bah tu fais des ressources que tu veux. C'est une seule, c'est ça? Ouais. Après, champion au cas où. Il y avait pas un truc créature unique du. Bah sinon ça me fait perdre un tour en fait. C'est bon, j'ai le droit. Ouais, pour chemin, tu veux dire? Non, juste pour poser. Enfin, il y avait pas un si truc. C'était des constructions uniques. Ouais, toi t'attends que ça. Parce que je veux que les trésors. Je vais essayer à vendre des trésors, mais je veux que tu les gardes. Donc je me dis. Ok. Peut-être pas la stratégie à la fin. Ouais, mais vu que c'est un truc de. De ça, là, le signe du. À la fin, si j'arrive à placer Tomahawk. Deux cartes, non, c'est pas un Tomahawk, c'est. Vagabond et. Ça aussi, ça marche quand une fois. Sur l'avancée du plateau. Non, c'est juste. Ouais. C'est marqué unique, c'est marche. Tu fais ça que quand tout sera occupé, c'est ça. Et là, par contre, jouer ton. Ta réserve. Tomahawk, tu vas avancer des trésors. Ouais, mais c'est pas un Tomahawk, mec. C'est pas un Tomahawk, ça? Non. En fait, gars, c'est un baluchon. Ouais, exactement, chercher le terme. En fait, ça, avec cette carte-là, chaque trésor. Ouais, c'est bien un baluchon. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un. Ouais. Vu le nombre, bah, c'est un baluchon. 3, 4, 5, 6. Ouais, t'es large. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Donc, potentiellement, je vais être obligé d'en cramer. Mais elle me rapporte du coup 15 points si j'arrive à la placer. Ouais, c'est pas perdu. 19 points. En fait, en vrai, je vais être obligé de niquer des trésors pour la. Pour la fin. Vous ne verrez jamais les ressources, bande de bâtard. Jamais. Jamais. Malgré tout, t'es allé au dernier tour, mais ça t'a pas arrangé, c'est ça? Ça m'a, j'avais pas le choix, en fait. Ouais. Ça m'a fait chier d'y aller en premier.
Mais t'avais pas le choix. Mais t'avais pas le choix parce que j'avais pas de carte. Ah, et là, le fait de piocher 4 cartes, c'est bon, ça m'a sorti la gueule de l'eau. T'avais beaucoup de choix au début, et ouais. Maintenant t'as moins de choix. Alors que moi, au début, j'avais moins de choix, et là, je commence à avoir un peu plus de choix. Tu vois comment la partie a évolué. Le scénario change. Et finalement, celui qui a le moins de cartes en fin de game, c'est toi. Pour l'instant, mais après, parce que t'as pas pioché tes 4 cartes, tu vois. Ouais, bah, j'ai pas joué à tes. Et sachant que lui, il se retrouve dans la merde parce qu'il peut poser que 2 cartes maintenant encore. Et ouais. Donc là, il va piocher 8 cartes, avoir des ressources. Mmh. Et finalement, il se dit, bah, en fait, là, j'ai une truc, mais je vais pas forcément chaîner parce que... Bah, il va pas pouvoir. Ouais, c'est ça. Et il a beaucoup parce chaîné. Il en a chaîné 2, là. Moi, j'ai chaîné 2. Il a chaîné des grosses cartes, donc ça lui a pas coûté en 20-30. Tu peux les utiliser, là. Mais c'est moins rentable, je trouve, de les utiliser les 3. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment utile, une, au tout début, si t'arrives, mais c'est uniquement si t'as un truc vert. À part ça, ça vaut vraiment pas le coup de chier. Bah non. Non, on le fait quand même. Ouais. C'est à moi ? Non, mais sur ta première partie. Ouais, c'est à toi, ouais. Si t'es encore en hiver, tu vois. Oui, oui. Chaîner en hiver, c'est à part ça. Ouais, bah c'est idéal. Ça, c'est vraiment la partie. Ouais. Mais... Et en late game, tu vas vraiment faire les trucs qui te coûtent cher. Genre les trucs à 5 champignons. C'est ça. Quand tu vois que t'as de coûts de champignons, en fait, en général, tu chaînes. Tu chaînes pour pas. C'est à moi, les messieurs ? Prends-moi. Ouais. Ok, je mets mon meeple sur l'intendant. Je peux réactiver 2 pouvoirs de ville différentes. De type vert. Je vais réactiver le scriptorium. Donc je peux piocher 2 cartes de la baie et 2 cartes de la pioche. Alors l'épave, il y a 2 cartes un peu spéciales qui font des points négatifs. Ah oui, moins 1, je vois. De détruire. De détruire une construction. Donc lui, il en a trop. Se retrouve finalement, qui ne coûte pas de ressources à construire. Qui en a beaucoup. Pourrais choisir de. Bon, je me dépose. Finalement, ça me rapporte un trésor. Ouais, toi, c'est dingue les trésors, ouais. Mec. Ouais, mais moi, j'ai besoin de ça pour optimiser les. Bah, il s'est retrouvé qu'avec les cartes que j'ai piochées. C'est quoi, d'ailleurs, t'as fait que des créatures pour mettre des bâtiments derrière, c'est ça? Bah, en fait, moi, j'ai 4 créatures vertes de production et ça produit pas de ressources, ça produit du trésor. Regarde le plongeur, avec tout seul, il m'a rapporté 6 trésors. Et je gagne un saphir. Les verts, là, ils donnent beaucoup de cartes et de. Ouais, de. Ouais, j'ai activé pour la policieuse hein, pour le deuxième effet de ville vert et j'ai gagné un saphir. C'est son nom. Mmh. Ouais, les saphirs dans ton village ils rapportent, mais pas dans ton village à toi, Arthur. Les gens mangent les saphirs. Non, il n'y en a pas de saphir, nous. On fait pas dans le saphir. C'est à moi ? Ouais, c'est à toi, mec. Je dépose 3 cartes et je prends 3 algues. Je peux ? On est d'accord ? J'ai le droit jusque-là. T'as passé ton meeple dessus ? Faut pouvoir mettre un meeple là pour défausser. Il n'y a plus de place, vous êtes déjà si, fond. Si, c'est autant que tu veux. Ah bon il, lui. Je suis possédé depuis tout à l'heure, je peux le faire. Mais oui, depuis tout à l'heure. Oh, mais quel con. Je pensais que c'était 3 mois max. Mais... Non, c'est autant que tu veux. Bah oui, parce qu'il y a 3 signes, mais. Il y a 3 signes. J'ai dit en début. Ouais, ouais. Mais oui. Je me vénère. Je suis pas sûr de l'avoir fait avant. Je sais plus bon. Mais du coup là, je dois en remettre. Tu l'avais utilisé avec ton pouvoir. Ouais, c'est ça. Mais le maintenant, c'est ouf, mec. C'est surtout une mémoire qu'il faut au bout d'un moment pour. Bah, pour tout retenir. Du coup là, je suis obligé de retrouver. Bah oui, c'est pour mettre un milieu, tu vois. C'est le quai. C'est le quai. Le lieu de quai peut comporter n'importe quel nombre d'ouvriers, d'un même joueur ou non. Ce lieu vous permet de découvrir. Merci Clément. Ok, allez, 3 comme ça. Autant retenir. Quand c'est des jeux, j'ai une bonne mémoire. Et les dates d'anniversaire, désolé. Et c'est Peter, tout. Désolé maman, c'est bientôt aussi. Noël, je l'ai. Tu fais des rappels. Encore aussi, sinon tu te fais tuer. Non, franchement, il y a les dates, je galère. Les rendez-vous chez le dentiste, mais je zappe tout le temps. Tu vois, genre, oh putain, faut que je prenne le mien, j'ai pété mon plombage. Ah oui, chez moi. Ouais. T'as mangé les saphirs du village d'Arthur. D'ailleurs, justement, j'y vais aussi. Ouais, bah vas-y. Tant qu'à faire, comme par hasard. Ça. Moi c'est bon, j'avais rien d'autre à faire. Et de toute façon, je vais pouvoir piocher, donc je vais pouvoir choper. Oh, je vais changer de saison, moi. Oui, changer de saison, changer de saison. Ça, j'avoue que je squatte des lieux depuis 10 ans. Moi, je vais pas avoir le choix alors. Plus de meeple, plus de construction, ouais, c'est mort. Hein. Tu changes de saison, pote. Hein. Change. Ouais, je suis que 4 cartes, hein, de toute façon. Ouais. Change, mec, change. Bon, allez, les canards. Voilà, avec les canards. Bravo. Une ressource délivrée, oui. Allez, let's go. Mets des champignons, ouais. Tire-toi. Non, des algues aussi, des algues. Et mes tu pioches 2 cartes ici, et après 2 cartes ici.
ou d'avoir deux cartes ici. Bon, et tu disais quand t'as... ça, tu peux pas en avoir parce que tu en as déjà. Construction unique, si tu en as déjà une dans ton jeu, moi je peux pas la construire, vu que j'ai déjà fait. Ouais. Mais toi, tu peux la reconstruire. Enfin, okay. Toi, tu l'as pas construit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc tu as encore 3 constructions possibles dans toute ta vie. Ouais, si tu peux viser l'épave pour et libérer ça, l'espace sur un truc qui vaut, que tu as construit en début, genre que je veux plus, ouais. Tu le détruis, finalement, ça te fait gagner un trésor, donc 2 points, et ça te libère une place dans ta ville. C'est une possibilité aussi. Oh, c'est détruit, ça remplace pas. Ça détruit. Ça remplace pas ça. Enfin, tu la poses, mais ça prend pas d'espace dans ta ville. Prend pas de place dans ta ville. Celle-là, elle est détruite, donc finalement, tu gagnes une place dans ta ville. Et tu perds pas de points, sauf si tu crames le trésor. Ça peut être utile. Je dis ça, mais je viens de la défoncer. Bah, je parce que j'ai pas assez de cartes. C'est moins un, en vrai, c'est peu cher pour péter une construction qui... Sur les constructions que t'as fait au début, en vrai, bon, ça te fait perdre un tour, mais bon... Voilà. C'est deux dans la baie, t'as dit, pas deux dans la pioche. Donc, deux dans la baie et dans la pioche. Après, deux dans la pioche. Okay. Donc, tu piocheras quatre cartes en tout. Comment refaire ta main, alors? Clairement, ça m'a sauvé. Hein. Le plongeur, c'est pas mal, ça permet de faire des trésors. Et là, tu pioches deux cartes. Wow, attends. Merci. T'es pas obligé, hein. Mais vu tu prends toujours. On est d'accord que les rivales... Alors attends, est-ce que t'as des bâtiments verts? Scribble, vous pouvez défausser jusqu'à 3 cartes de ta main pour gagner 1 et piocher autant par carte défaussée. Est-ce que tu veux le faire? Je te fais déjà les 2 de bois pour le traîneau de sable de base. Tu gagnes dans tous les cas un trésor. Tu m'as donné. J'avais l'impression que c'était un peu lourd en niveau de règles. Bah, il y a beaucoup, quoi. Mais, la première partie, c'est un peu important. Oui. Ta deuxième, t'es plus à découvrir les cartes. Comment je peux optimiser mes points. Ouais, c'est vrai. La deuxième ou la troisième partie, c'est ça. Je suis un peu dans. Je sais un peu d'être. Ta première partie, t'es vraiment dans la découverte et t'essaies de retenir tout. Il y a des gens, tu leur expliques trop de règles, ils sont en rupture d'anévrisme. Bah, ouais, c'est normal. Il y a beaucoup, quand même. Et après, il y a l'habitude. Tu verras quand on va jouer. Quand t'as déjà fait, parce que je retiens, parce que t'as déjà pas mal. Fait pas mal de deck building, donc du coup tu dis tiens, il y a toute la partie base de deck building que j'ai pas à réapprendre. C'est des jeux similaires. Je trouve que la partie originale dans ce jeu, c'est les ressources qui est à la fois intéressant parce que mais chiant parce que finalement les champignons tu les bloques, enfin si c'est bloqué, t'as vu, tu peux le choper 4. En fait, il y a que 4 joueurs dans toute la partie. C'est ça. Qui pourront le choper, les champignons. Donc, il n'y a que, en vrai, 8 champignons de données. Ouais. Plus les îles spéciales. Mais, tu vois, le saphir, si tu ne le fais pas à des échanges avec les cartes spéciales, tu as 4 saphirs de distribuer dans tout le jeu. C'est jamais assez. Je dois acheter ces 3-là. Tu déposes ces 3-là, tu gagnes 3 points de victoire. Dessus, j'ai oublié. 1, 2, 3. Et tu repioches 3 autres cartes. Okay. Voilà, ça je t'ai fait, ça y a pas, vu que c'est pas une ressource. Okay. Est-ce que c'est à moi? C'est à toi. Oui, c'est changement de saison pour moi. Je rappelle mes meeples. Oui, tac. J'ai le boulevard qui arrive devant moi pour choper des ressources. Un meeple de plus. Et c'est quoi que j'ai? 2 cartes de la baie. J'en prends une là. À la base, t'es le premier à changer de saison. Là, je m'en retrouve. C'était le dernier à changer de saison ici. Ouais, le premier saison. Ça, donc finalement, ça veut. Ça rééquilibre. Sur la première saison, ça veut pas dire grand chose. Ouais. C'est à moi. C'est à toi. Ok, et ben moi je construis un galion. Ah, le fameux galion. Le fameux. Donc j'envoie les 4 bouts de bois. Ah, c'est pour ça l'échange de saphir. Et les 3 algues. Et les 3 algues. J'ai plus de ressources, mais j'ai un galion et. Qui me vaut chaque trésor vaut plus 1. 1, 2, 3. Moi, je veux construire. Sachant que les galions, tout ça, il n'y en a que 2 dans tout le game. 3. Ben, j'ai 3 comme ça. Oui, pardon. Ouais. Ok. 1 point de victoire pour chaque pour trésor que vous possédez. Ok. Oh, let's go. Et j'active le pouvoir. Non, je déconne. J'active Exodia. T'abuses. Ouais. Pas mal. Ah, et j'ai pas avancé, mais c'est normal. Parce que c'est construit le jour du jeu. Il a fait mis cette règle là. J'avais vérifié quand même. Bien vu. J'ai que ça, moi. À toi. Ah, voilà. Mm-hmm.
La shop d'Arthur, peut-être là. Ben ouais, je vais aller au saphir. C'est un saphir, une carte. Tu choisis du coup. Là-bas ou là-bas. Soit ça, soit ça. On n'est pas encore, tu vois, et. Ouais, je prends un petit moulin. C'est pas mal quand tu le côté jouer en réel. Enfin, l'ordinateur t'empêche de faire des fautes, mais t'apprends pas les règles. Ouais, c'est ça. Alors que là, on a fait pas mal de fautes, mais c'était. Règles, tu te trompes sur les règles. Mmh. Finalement, hein, moi, je me souviens que ma première partie d'Andorre, le jeu, on l'a ruiné, c'était trop facile parce qu'on avait juste pas compris une règle. Ouais. Chaque fois que tu tues un monstre, ça avance un tour. Mmh. Du coup, le jeu est ultra facile. En fait, quand t'appliques la règle, ça devient très dur. Mais ah oui. Quand t'as plus de pertes. Vu que tu la comprends après, tu l'apprends après, ah ouais, tu réapprends tout la stratégie du jeu, bien sûr. Avec le même jeu, tu fais plusieurs pas. Et puis en réel, tu peux dire, bah tiens, on se crée une nouvelle variante. Ouais, c'est vrai. Trois champignons, ça, tu pioches. Tu dis, bah tiens, on trouve c'est chiant les ressources. Tu dis, bah tiens, on décide d'un commun d'accord, on s'invente la règle. C'est pas mal, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là-dessus, l'ordi, tu peux pas faire. C'est impossible. Ou il faut payer la donne. Je te jure. Ah, j'ai fait Everdell en numérique. C'est Enzo, ouais. Après. C'est comme ça que j'ai appris les battes. Alors. Bon, par contre, vous connaissez, il y a un gros avantage, c'est le comptage de points à la fin. T'as rien à perdre. Mon Dieu, merci. T'as rien à perdre, ça. Ok, je vais jouer l'épave. Je détruis ma polisseuse. Ok. Fin de tour. Ah ouais, vu que tu as... Peux plus l'utiliser. Si. Trésor, mec. Ah oui, et puis j'avance. Ça se rapporte un point en fait, au final. J'avance puisque c'est un baluchon. Ah oui, c'est un baluchon, tout à fait, tu as raison. Un trésor en plus, non? Non, 10. Non. Arthur, c'est pas mal. Alors, c'est à toi, ouais, c'est moi, j'ai pas de ressources. Tu changes de saison. Et c'est ça. Non. Attends, mais est-ce que je pense pas. Non, tu peux chaîner. Ouais. Est-ce que t'as pas un truc qui chaîne avec ça, une créature? Non, il est tout seul dans son. Dans son univers. Ouais. Mais par contre, je reviens à ce genre de truc là. Non, il y a pas. Si t'as un meeple. Et t'en as plus. Et j'en ai plus, mais il y en a un qui est sous l'arbre là. Oui, qui va. Tu changes de saison. D'ailleurs. Pour le récupérer. T'as dû oublier en changeant de saison. Ouais, je pense que la dernière saison, t'en as 5 de nous. Bah, okay. Changeons de saison. Allez, tu récupères. Non, je vais pas faire autrement. De toute façon, si, j'aurais pu fausser 3 cartes et récupérer des ressources encore. Bah, non, il aurait fallu que tu sois là, mais t'en as plus. Et vu que j'en ai plus. Ok, merci. Pas de problème, heureusement que tu poses des questions. C'est important de poser des questions, mec. Bien sûr, bien sûr. J'ai perdu un tour parce que vous vouliez pas libérer les ressources. Pourquoi t'en as pas 5? Ah, il est là. Le voilà. Voilà. C'est parfait. Là, j'ai le bois. Alors, tu récupères. Est-ce que tu as des bâtiments avec ce symbole-là, vert? Oui, il a le scriptorium. Donc, oh putain, tu vas en piocher des cartes. Non, un seul, ça c'est une créature. Sachant que j'en ai encore. Non, mais c'est tous les verts, même si c'est des créatures. Ah, c'est tous les verts? Bah oui, tous les verts. Ah, ouah, j'ai pas de production. Je l'ai pas fait. T'en as zéro. Ah, bah tant pis pour ma gueule. J'ai qu'à le faire. J'ai déjà ces cartes-là en plus. T'as ton scriptorium? Oui, je l'ai fait. Quand j'ai changé. La polisseuse que j'avais eue et les 4 cartes. Ouais, c'est bon, t'es là. Donc, là, tu pioches 4 cartes ici et 4 cartes ici après. Basiquement, la moitié du jeu, c'est maintenant. Là, toi, très bien, tu vas pas pouvoir placer tes ressources, mais tu vas pouvoir les défausser pour leur version. Et ouais, mec. Ça, c'est propre. Attends, théoriquement, normalement, tu les poses. Une fois que tu les. T'as la pioché. Nouvelle. Ah, comme ça que je peux. Ok, d'accord. D'accord. Oui. C'est pas bon pour toi. Et ça, c'est pas mal, ça. Le pèlerin, là. Ouais, mais faut que t'as pas de parchemin, mec. Ça te fera que dalle. Ouais, voilà. Mais tu peux en avoir. Voilà. Ah oui. Dire, bah, vu que là. Ok, bah, peut-être, ouais. Je pars sur du parchemin, non? Je sais pas. À toi. Mais de toute façon, ton tour, il est fini, vu que t'as changé de saison. Ouais, attends. Il continue à piocher ses cartes. Ouais. Ah, il a pas encore pioché? Moi, je puis. Putain, je sais pas quoi faire. Bah, vas-y, le charpentier est mignon. Ah, non, mais non, j'ai pas de ça. Ouais, si, c'est pas grave. Allez. Et attends. T'as tellement de cartes. Oh, il y a un nouveau script. Ouais, mec, attends, je me suis gouré là. Attends. 3, il m'en reste une à piocher de ça, de là-dedans. On a 4 de là-dedans. D'accord. 5. Voilà. Imagine le scriptorium, tu fais juste là, à ce tour-là. Finalement, au final, il te fait piocher 3 fois. 12 cartes. Ok. La dernière libérée et 1, 2, 3, 4. Bassin porture, c'est pas mal ça. 3 points pour chaque. Donc lui, il te rapporte 8 points et chaque construction, chaque machin en plus. Donc si tu le chaînes avec un bâtiment, il te rapporte encore 3 points.
Donc vraiment, le mid-game, il faut toujours se laisser 2-3 places pour faire ces trucs-là, quoi. Et optimiser selon ce que tu as pu construire. Ah, tu si t'as c'est de la merde. Donc moi, je chope du bois direct. Hein. Bah ouais, mec. Bah ouais, hein. J'ai un galion à construire, les gars, ça va pas se faire. Ah. Pour le prochain tour, est-ce que vous me l'autorisez? Moi, je suis de batterie. On est d'accord, je peux le faire dans le sens que je veux ça. Ouais. Ok, c'est bon. Ouais, bah oui, on va pas se casser la tête. Arrête, il reste 10%, je vais mettre 10% de machin. Ouais. Là, ça fait 2 heures qu'on joue. Ouais, 2 heures, c'est passé vite. Quand après, on s'amuse. Il y a eu un peu l'explication. La ouais. Vous avez mangé, vous? On a mangé avant, ouais. T'as pas mangé? Non. Mais il y a des chips là. On te nourrir de. J'aimerais bien tuer un personnage. Bah, en fait, ça c'est la même chose que le. Que les paves. Si tu manges les chips, on va entendre les chips. Personnage. On avait pris de l'orangina et. Ouais. Et celui-là, c'est celui que j'ai chiné. Ça permet de libérer des places et tu gagnes un trésor également aussi. Ouais, c'est exactement la même carte mais version créature. Bah celui-là, j'enlève celui-là. Ouais. Il te rapporte un point donc tu le mets. Hop. J'ai envie d'en avoir un là, de paria là. Je pète des constructions. Et tout, pas de construction, voilà. Bah oui, je n'avais pas compris. Ah oui, non, toi t'as pris des cartes. C'est bon. À toi. Ah ouais, bah, c'était. Tu n'es pas chopé des archives. Bah ouais, je sais, mais j'ai évité pour. Ouais. Pour deux bois. Là, ouais, la fin, la toute fin. Une algue. Là, quand c'est la passe du trésor qui m'a perturbé en fait. Je vais jouer l'entrepôt. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que plus personne. Attends, désolé les gars. Voilà. Ah oui, c'est bon. Parce que le reste, ça me coûtait unique, beaucoup en fait. Est-ce que c'est unique? Oui. Donc tu avances d'un cran. Et vert. T'étais où toi? Il est jaune. Il était au 12, il est au 14. Donc, je refais. Non, parce que le reste, c'était trop cher en fait, pour l'instant. Ouais, mais justement, là. Ce que je t'explique, c'est que aucun... Merci beaucoup, hein, Enzo. Ouais, t'inquiète. Vu que tout le monde a passé une saison, une fois qu'il est là, il ne pourra plus jamais bouger maintenant. Ça ne sera plus jamais rapide. Ouais, ce sera définitif, ouais. Bon, Enzo, il a construit aussi. Voilà, l'entrepôt, qui est une construction unique. Enfin, je sais pas, j'avais donc, pas les cartes pour l'instant. 1, 2, et je récupère un trésor. Oh, je vais me péter le dos. Ensuite, lorsque je le joue, je... Merci. Je récupère deux bois, deux algues, deux saphirs et deux champignons à réserve. Et ensuite, je gagne deux ressources de cet entrepôt. Je n'ai plus de champs. Je suis pas obligé de prendre deux. Je laisse finir ta phrase, vas-y. Gagner deux ressources de cet entrepôt. Tu peux gagner un saphir et un bois. Ouais, j'ai déjà des saphirs en vrai. Ah, t'as déjà pris les bois? Oui, bah j'ai déjà pris les bois, bien sûr, j'ai pris les bois, j'ai un galion à construire. Ouais, mais non, mais c'est bon pour moi. C'est ce que je te dis. Je sais ce que je fais. Non, c'est bon, je sais, j'ai une carte. T'inquiète. Attention. T'es pas assez vite sur les ressources. Parce que c'est 4 bois. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, ça va, il a du bois. Le mec va faire plusieurs galions, en fait. J'avais pas compris ce genre de plan, tu vois. Ok. Mais c'est bien, unique, ça va me faire avancer ça, là. C'est bien. Il a toutes les Alpes de la Bretagne. Merci, Nolwenn, c'est grâce à toi. C'est à toi, mec. Pardon. T'inquiète. Je place un Krabi, un Krabos là-dedans pour récupérer un Saphir, un Champi et une carte. Comme si j'en avais pas assez. Je te jure. Le collectionneur. C'est pas Yu-Gi-Oh, mec. Hein. Tu choisis où tu prends la carte. Moi, c'est chiant que ça tombe en dernière partie. Alors, en début de game, c'est bien. Ah, ça aurait été tellement bien. Je te jure. Après, vu que c'est la même chose pour tout le monde. Ok, et je prends cette carte. Parce qu'elle est très. Elle est très bien. Elle est très forte. Elle est très forte. En fin de game. Non, non. En plus. Il a 8. Je suis à 9. Mais... Sachant qu'avec ton galion, tu peux chaîner pour un truc. Bien sûr. Tu vois, tu vois le plan, mec, mais bon, ça manque de ressources, mais bon, on va bien trouver les moyens. Ah, je vais essayer de faire ça, moi, donc je vais chaîner. Non, pardon, je vais construire mon galion. Mes bois. 1, 2. Tu penses que tu passes les 100 points, là? 4, c'est plus possible, franchement, c'est plus possible. Là, j'ai vraiment eu de la. 1, 2 et 3 algues. Je suis même pas sûr. Bah là, regarde, ça fait plus 1 point sur chaque trésor, j'en ai 15.
fait une construction unique. Donc oh un trésor de... non, pardon, j'avance d'une case encore, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Pardon. Accessoirement, c'est toujours ça. Deux prix. Et je pioche une carte, parce que j'en ai joué une. Je décide de défausser cette... de donner une carte à qui n'a pas beaucoup de cartes. Allez, moi, j'en ai plein. Enzo, t'as qu'un seul bâtiment, ça va te servir à rien. Merci. Ah, ça me fait un point de victoire. Ah, c'est pas mal, ça. Un petit paria. Oh, pourquoi c'est toi qui l'as ? À toi. Ben, je vais en Bretagne. Bon, en fait, à toi, là, je suis baisé. Parce que même si je veux chercher des ressources, en fait, tu peux rien construire. Unique. Ouais, il te reste plus de place. Non, même si parce que ça, ça ne compte pas. Hein. Un, deux, ah, il compte trois, pas quatre. Ah, ça change tout. 1, 2, 3, bah t'as un 2 construction. Tu sais, quand tu le fais en 5-5, tu vois tout de suite. Ça, tu peux le mettre de côté. Mais un, c'est celui-là qui compte pas. Celui-là, ouais, tu peux le mettre comme ça. Il prend pas de place, c'est marqué. Hein. Ouais. Il ne prend pas de place dans la ville. Mm. C'est Enzo. Je pensais la plus gueule. Oh, j'ai vu. Ça va okay. Ta vidéo, elle va être refusée par YouTube, hein, je pense. Ouais, c'est bon. Il y a les chiffres aussi hein, pour compter les ressources, je crois. Il y a Navarre hein, pour les chiffres. Hein. C'est vous qui comptez, vous envoyez les scores. Je te jure. Oh. Ok. Cartographe. Ah, j'ai compris comment t'as fait, t'as juste tourné ça de 180 degrés. Putain, c'est emmerdé pour rien. Ah, le mec, il comprend au bout de 2 heures. T'as joué, non ? Si je viens de jouer mon cartographe, au prochain tour, si je mets un meeple dessus, je pourrais copier un lieu du rivage ou une île précise. C'est-à-dire que même si vous prenez tous les trucs, je peux il copier. Il peut récupérer un... son bois. Même tu peux récupérer. Ouais, une île. Bon, enfin là. Tu peux le faire qu'une fois, voilà. Alors, vu que t'as 5 castors à cramer, hein, et ça te rapporte 2 points, t'es unique. Qu'est-ce que t'as oublié de faire ? Ah oui, c'est ton bateau. Bien, merci. Un bateau. Même moi, tu vois. Un trésor. Ah, attends, mais c'est vu que c'est une créature. Hein. Vu que c'est une créature, je peux récupérer un bois, un algue ou un saphir. Ah, saphir, bah voilà. Un bois. Et vu que j'ai joué une carte, je peux remplacer encore une ressource, mais je vais pas le faire. Et vu que j'avance. Et ton entrepôt, ça marche comment ? Ah ouais, c'est quand ça rafraîchit avec ça. C'est ça. Ah, et c'est vu que j'ai avancé grâce à la rose des vents, je peux défoncer une carte pour avancer une truc supplémentaire. Ah, je dépose du charognard et j'avance de 1. J'espère que j'ai pas envoyé trop. Hein. Ouais, non, c'est bon. Tu venais de gagner un trésor, donc t'es à 20 là. Parfait. Let's go baby. Ça y est, je prends enfin le large. Très très loin de... Par contre, quand même, c'est chaud à... Ah, je trouve aussi. À moins que je faut construire tout le temps. Non, mais faut vraiment, ça dépend ce que tu tombes. Hein. Mais tu fais que des écureuils joailliers, les trucs pour avancer. Ah ouais. Et puis si t'arrives à faire avancer grâce à la rose des vents. On avait vu, il y avait un combo de. Tu peux me montrer la carte. Il était en fin de partie. Ouais. Mais toi, au début, t'as utilisé beaucoup le belvédère vu que t'étais dans la merde avec les. Les parce cartes, qu'avec hein. Ça, tu en vrai, peux personne n'utilise ça. Non, on n'a pas fait. Ouais, personne n'utilise jamais. Hein. Ah non, c'est une création. Mais en vrai, on a eu assez de cartes différentes. Si, ouais. Ça marche. Moi, j'ai pas eu l'utiliser. Je me suis posé, mais voilà, c'est quand t'as suffisamment de ressources pour utiliser ouais, ça. Ouais, mais faut avoir les. Moi qui avais les ressources, j'avais pas les cartes. Donc... Ouais, ouais. Et j'avais des cartes que je voulais faire. Oui. Mais en fin de game, tu te dis, bah, j'ai rien d'intéressant pour ma dernière construction. Je te jure, ouais, bien sûr. Est-ce que je peux faire ça ? De foutre un crabe sur lui ? Non. Pour activer un pouvoir ? Il faut qu'il y ait la petite patte. Moi, je ah et ouais, et oh putain, et ouais. Et ouais. Et ouais, oui. Mec. Et ouais, et bah moi je peux le foutre là. Mais pas construire. De toute façon, là je vais pouvoir que faire ça. Mais là-bas, il y a des champignons, hein. Ouais. Et toi, t'as mascarte, mec, je vire ça. Ouais, je vais prendre des cartes, ouais. Je vais prendre des cartes. Vire tes cartes, là. Allez, cartes, hop. C'est 3 max, c'est ça ? Ouais, et tu prends 3 ressources. Je prends 3 ressources. Sachant que t'as 1, 2, 3. Sachant que c'est. T'as 8 constructions. Bon, vas-y, je prends des 3 saphirs, allez. Non. Attends. Regarde ce que t'as en main. T'as tes 2 dames. Bah oui. Bon, allez, 3, 2. Ah, attends, attends. Eh, on a eu un raid. Merci pour le raid. Je vois pas d'ici. Et j'ai enlevé. C'est bienvenue à tout le monde. J'avais pas fait gaffe. Ah ! Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour le raid. Je vois pas. Je vois pas. Oh. Les lunettes. Là, je sais que tu fais pas beau gosse avec les lunettes. Attends, lis-moi ta tête d'abord parce qu'on sait jamais ce qui est écrit. Là, ZD. La ZDJ des Gaël, là, t'es Chico. Ouais, merci pour le raid. Gaël et Chico.
Non, mais c'est bon. Non, c'est juste, je t'expliquerai. Vas-y, je joue. Bah, c'est bon, moi j'ai pris mes 3 de bois. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Et. Bon, je bienvenue à tout le monde. Il n'y a pas de bateau à déplacer, là, même si j'ai pas de. J'avance. Non, t'as pas construit, t'es allé que là. Si tu construis pas, tu peux pas avancer le bateau. Non, c'est quand tu mets une créature unique. Non, un bâtiment. C'est un bâtiment pour avancer. Non, une créature. Là, c'est unique. En fait, t'as la unique créature. Ah ouais, ok. Ça change à 36. Je me laisse naviguer. Le bateau, c'est en fonction de ça. Non, là, j'ai rien construit. Ah, vu que j'ai posé une carte, je pioche. Vu que j'ai pioché un phare, je vais le passer à. Toi, je t'en ai passé une. Lui, voilà, tiens, toi. Comme ça, ça me permet de gagner un point de victoire. La bibliothèque là-bas. Et non. Si on n'a plus de carte, on piochera chez toi. Hein. Ah oui. C'est ça, non ? Faut qu'on calcule. De quoi ? On peut plus choper le truc. Si, des champignons. Mais... pas besoin maintenant des champignons. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu en veux ton phare ? Ah, attends. Non. Je veux construire ça. Une abbaye. Avec deux bois et un saphir. Et. Je sais pas ce qu'il y a en bas. Jouer une carte. Tu sacrifies un meeple et ça te permet de jouer une carte pour 3 ressources de moins. Donc si tu sacrifies en plus ton marché, tu peux construire une carte pour 6 de moins, mais tu sacrifies un meeple. C'est pas mal en début de game. Coupe ton micro. On va tout entendre. Oui. C'est quoi ? Là. Attends, c'est ça. J'ai compris, ton téléphone est à charger. C'est bon. Ouais, c'est pour ça que j'ai rien vu. Et vas-y, t'as dit ? J'enlève une carte. En fait, tu vois ça, et vu qu'il y a le petit symbole. Mais c'est ma main, il dit c'est pas celle-là. Ouais. Comme, voilà. Et la prochaine carte que tu vas construire, elle te coûte 3 ressources de moins. Tu choisis les ressources en moins. Ok. Donc c'est pour ça que tu disais les grosses cartes, ça permet d'en dépenser moins. Ouais, voilà. Genre si t'as pas. Et ou alors si t'as pas de champignons, ça coûte 5 champignons. Là, tu peux enlever là, par exemple, les trois saphirs que je veux pas. Ça coûte pas trop cher, tu vois, pour un manoir. De salade, là, ouais. Voilà, bon, et puis après, le trésor, quand tu vas le sacrifier, tu dis « Ok, je perds 4 points. » Mais si je passe ça, ah, c'est dommage, ça va prendre 4 points tout. Plus 2 pour chaque créature commune dans ma vie. Donc finalement, ça vaut le coup de les sacrifier, largement. Tu vois. Ouais. Je vais avancer ton navire qu'on puisse le voir. T'es à 36, mais je vais avancer ton navire qu'on puisse le voir. T'es à 36. Hein. Pourquoi tu veux qu'on voit mon navire ? Pour les viewers, non ? Ah, on s'en branle ? Bien sûr. Pour qu'ils voient en zoom. Ouais. Voilà, ça c'est le navire du winner, ça. Les navires, t'es piquant. Ouais. Les mouettes. Tu vois, nous, on chie sur les autres. Et pendant qu'ils sont occupés à se nettoyer, on prend toutes les ressources, tu vois. Mais qui ? Je te jure. C'est à toi après, Enzo. Ouais. C'est à moi ? Ouais. Ok. Alors, quand tu reviens, oublie pas d'allumer ton micro, en fait. Moi, je vais me mettre ici. Et j'ai 1, 2, 3 cartes bleues et je prends ça. Bah, j'aurais pu, mais finalement, c'est. C'est bon, on m'entend ? C'est à toi. Normalement, ça fait voir ? Ouais, allô ? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, okay. Parfait. Impec. Allez, c'est à moi. Alors, ouais. Eh ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais. Pourquoi tu chiennes pas d'ailleurs, toi ? Ouais, depuis tout à l'heure. Il n'avait pas de personnage qui va avec. Ton galion, ça avait chopé des amiraux, des trucs comme ça, là. Non, ah, oui. Ah oui, t'as un amiral, toi. J'ai un navigateur, c'est tout. Ouais, mais. Tu l'as plus, ton truc ? Non, t'as 20 cartes dans tes mains. De ouf, oui. Mec, mais on a avoir des ressources pour le caler. Ben non, parce que si tu chiennes, c'est gratuit. Ah ouais, mais. Ah oui, donc je suis pas obligé de le. Ah non. Ah, ouais. Merde, ouais. Tu me disais aussi, c'était bizarre. Ah ouais, il a 2 chaînes, 20 cartes. Ouais, mes chaînes, j'ai pas utilisé mes chaînes. Ouais. J'ai pas fait gaffe sur le truc. Je le ferai tout à la fin. Je sais pas si. Tu veux comme tu veux. Hein. C'est légal. Je veux bien, mais sinon. Quand t'as de la place dans ta vie, tu vois. Voilà, exactement. Tu peux le faire à n'importe quel moment. Quand t'as de la place et t'as 8. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est un peu con parce que le truc. Parce que moi, je sais pas, j'ai chaîné là au début, mais ça m'a pas fait. Qu'est-ce que ça m'a fait ? Oui, ça m'a permis de le faire sans dépenser de ressources. Donc je peux très bien le faire à la fin. Je peux très bien chaîner à la fin. Bien sûr.
mieux d'ailleurs. Il n'y a pas de. C'est ce qui s'est passé, nous, Enzo et moi. À un moment, on a tous voulu des constructions. Tu as même un moment, t'as un retour d'une construction, s'il te plaît, là. Parce que je veux pas que perdre ma chaîne. Non, mais écoute, je pars là-dessus. Attends, je vais faire quoi ? Il y a trois trucs. Il y a trois machins. Je vais squatter ça un petit moment, je pense. Les dunes. Ce que je voulais faire depuis le départ, tant pis, je reste sur mon plan, je change pas de plan, et puis voilà, on verra à la fin. Donc là, hop, et 3, et je reprends encore... Des ressources. Des ressources, je prends 3 saphirs. Il y a peut-être une grosse carte aussi. J'ai des... Mec, j'ai plein de cartes, donc forcément j'ai des grosses cartes. Ça permet de... Bon, ben moi... Ah oui, pardon, non c'est bon. Ah oui, mais non. Et c'est pareil, le dernier. Arthur, t'as pas demandé pour le bateau si t'as avancé ou pas. Mais c'est bon, vu que je l'ai pas. Bah non, il a pas construit. Ah oui, mais. T'as une construction unique et verte. J'ai des constructions vertes, mais pas uniques. Ok. On est d'accord que c'est les ressources là-bas pour récupérer des cartes. Ouais. De quoi, Belvédère? Ouais, non, je peux pas. Tu voulais faire ton truc de la copie de tout à l'heure, là, qui t'arrangeait pas. Ben ouais, mais ça va m'arranger, t'inquiète. C'est à toi? Je crois. Oui, salut. Ça doit être aussi. Ah, t'as 7! Bah, j'aimerais bien chier, mais je peux pas, en fait. J'ai pas prêt à être à 7, moi aussi, mec. Bah, oui et non, hein, ça dépend de la ressource. J'espère qu'il y a des départs. Moi, j'en ai pris 2. Ouais. Il en a pris 1. Ouais, j'aimerais bien faire ça, peut-être un bon moment. Bah, t'as j'ai... une, deux. Bah, allez, j'ai trois trucs comme ça. Je peux prendre un truc comme ça, mais large. Bon, ce sera. Voilà. En fait, le premier, il te rapporte 2, et après, c'est 1, 1 et 0. Ça peut valoir le coup si t'en as déjà tous les deux. Tu peux pas en avoir 2 de la même. Okay. Est-ce que je peux chaîner là, moi, ça alors, avec ça, mon personnage ou pas? Non, c'est l'inverse de la construction qui te permet de chaîner la créature. Et par rapport au truc de tout à l'heure, là, que j'en enlève 2. Quand je pense que pas. Dans Everdell, de base, tu peux chaîner à l'infini, mec. Ouais, mais c'est que certains bâtiments. Ouais. Dans le pont d'école, tu peux chaîner ton professeur. Le professeur, ouais. Et il prend pas de place d'ailleurs, non, c'est ça. Hein. Et il prend pas de place, ouais. En plus. Mais voilà, c'est pas n'importe quel. Ouais, c'est mieux. Je crois que c'est mieux là. C'est mieux là, en fait. Mmh. En vrai, ça va. Vous êtes plutôt bien éclairé, je trouve. Ça va. Vos têtes, ça va. Ouais, il y a un phare, deux phares. Il y a déjà deux phares. Non, mais même si c'est une construction unique, c'est unique dans ta ville. Non, je sais, mais j'ai pas de sous. Enfin, j'ai pas de ressources. Et ça, c'est le truc, hein. Je sais pas, parce que là, en fait. Vous avez plein de points de victoire. Je sais pas quoi faire là, et si je repars, je le rejette. J'en ai 4. Hein. Parce que j'ai donné des cartes avec la loi. Là. Ouais, j'avoue. C'est lui qui en a la masse parce qu'il a utilisé 3 fois son pouvoir de scribe, qui est un mal. Pardon ? Du coup, désolé, je t'ai pas. Non, bah, avec ton histoire là, j'enlève 1 là. Ah bah, regarde, tu peux. Mais en fait, ça. Hop, sur l'abbaye, ok ? Ouais. Ça te coûte 3 ressources de moins pour faire ton manoir, ok ? Tu sacrifies ton marché qui te rapporte qu'un seul point de victoire au final. Donc ça coûte encore 3 points de ressources en moins. Donc pour une algue, je peux construire ça. Tu peux construire ton manoir qui te rapporte 4 points de victoire, plus 2 pour chaque créature commune dans ta ville. Une. Bon. Et après, il faut essayer de rejouer une autre créature commune dans ta ville. Oui, quand tu as déchaîné, je peux pas rechaîner après, là, faut que je remette un violet pour chaîner. Si là, tu aurais eu une créature. Après. Une créature de 100 là, tu chaînais, et ça t'a metté gratuitement. Donc c'était un bon. Un combo, ouais. Ok. Un bon beau combo. C'est une possibilité, hein. Je t'ai imposé le truc. Ouais, je voulais faire ça, mais je savais pas comment faire. D'accord, bah voilà. Après, je t'ai imposé ce bâtiment là, mais si tu préférais, t'as le moulin avant. Bah, j'ai pas lu où est-ce qu'il y avait en bas, mais. Et ça te rapporte 2. Et plus 2 pour chaque truc vert dans ta ville. Enfin, sachant que tu en as 1, 2, ça te rapporte le même nombre de points. Ok. Bon, bah, c'est bon comme ça. Ok. C'est à moi ? Ouais. Let's go, baby. Toi, tu vas venir là, mon gars. J'ai un symbole de chaque. Oh, je prends ça. Arthur, c'est à toi.
Bah, je sais pas, je pense. Attends, je prends déjà ça là-bas, là. Trop de cartes. Bah, pour payer un crâne. Hein. Ah, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. C'est pour ça. Alors, je vais pas le faire tout de suite. Alors. J'étais un peu trop pressé. Personne ne veut des champignons. D'accord. Ouais, c'est vrai. Les champignons, c'est ce qui te rapporte là au début. Attends, non, je voulais fausser. Non, j'ai pas donné de carte. Il faut que, mec, on a rien. Valeur des crabis là. Ouais. Oui. Payer en crabis. Oui. Bah, je paye en crabis. Sachant que ici. Pour prendre. Mec, il te faut des crabis hein, si tu veux aller là et récupérer des parchemins. Bah oui. Réfléchis bien. Ah ouais, mais. Parce que t'as beaucoup de ressources là déjà. Et ouais, ouais, mais. Et tu construis plus en plus. Assez de ressources pour faire le bail, tu vois. Pas de crabis, ça coûte beaucoup trop cher. Non, quand tu vois. Moi j'avais avancé mon bateau, je pouvais, non pas. Ah, unique et construction. Unique, donc tu peux avancer ton bateau, oui. Et excuse-moi. Et okay. Jaune. Jaune, bon, 200 points en plus, c'est toujours bien. Ouais, ouais, mec. Ouais, ouais, non, mais tant pis, je me lance sur mon plan. Tu veux dire ton plan de retour. Mais tu vas, t'as trop de cartes, en fait, tu vas tout changer. Hein, en fait, t'as une stratégie déjà, tu vas tout changer, ça va tout te rendre. Ouais, dans la même merde, t'en as pas foutu un de truc là. Non, le jaune, il y en a pas ici. Ouais, mais là, je vais le faire peut-être après, en fait, j'attendais de savoir ce que j'avais derrière. Ouais, ouais. Moi, bon, en fait, j'aimerais bien chaîner. Il peut prendre celui-là. Ouais. J'aimerais bien chaîner et après aller là quand je peux. Quoi. Et après, t'as pas, le problème, c'est que t'as pas de créature. De la même type, ouais. Du même type, quoi. Non, tant pis. Je reste sur mon truc. C'est pas grave. C'est pas grave. Les parchemins, là, tant pis, je les ai pas vus. Tu peux tenter un belvédère pour repiocher. Pour avoir de quoi chaîner. Bon, c'est pas très grave, ouais. Je tente le ça, que je voulais faire de base, je fais... Moi, je t'ai cliqué un pion, c'est ça. Ouais, garde ton sang, garde ton sang. C'est pas important, garde ton plan de base. Hop, et donc je me prends... C'est pas mal que ça soit limité 3. À 3, parce que effectivement, celui qui a de votre carte, sinon il déroule. Je me prends 3 trucs comme ça. Dis le gars qui a tous les trésors. Ouais, je suis content, j'avais pas de ressources, maintenant j'ai des ressources. Laisse-moi celle-là. Bah, ta stratégie est pas mal, quoi. Mais je crois que je vais virer des ressources, moi. Voilà. Je vais juste garder de quoi faire une construction. Et voilà. Et après, c'est bon. Fallait que je calme mon truc. Les cartes. Tu peux pas. Ah, si, là. On pouvait jouer. Si tu déposes des cartes pour en piocher une nouvelle. Ah, c'est des pioches de cartes. Ah, merde, quel con. C'est à vous. Oh, ouais, c'est la merde. C'est bon. Moi, j'aurais accumulé des ressources depuis longtemps pour piocher. De fou. Combien 4 diamants, ouais. Ouais, ah, salut, ça dégage. Des points de victoire, même. Les petits coquillages, là, j'en aurais sacrifié. Les oh là trésors, là. Ça pourra m'aider de piocher. Ah, tu peux sacrifier ça aussi ? Non, non, tu peux pas sacrifier. Ok. C'est une règle inventée, c'est ça ? Ouais, non, mais ça, on se projetait. C'est entre nous. Je me serais buté au belvédère. Hein. Pour sacrifier ça, je sacrifie mon écureuil. Un trésor de plus. Hop. Vu que j'ai mis un créature unique, je peux faire avancer mon bateau. Putain, prends le lard. Et voilà, j'ai vu une carte, donc je peux en plus. J'ai vu une carte là qui compte le truc du bateau. Là, il y a une carte. Tu chopes un trésor à chaque truc passé. À chaque case. Ouais, à chaque case. C'est de la merde. Bah oui, c'est de la merde. Mais c'est un personnage. Ouais, je sais plus, je l'ai vu, je sais plus quelle carte c'est. Pourquoi je la donne? Est-ce que t'as celui-là, regarde, celui-là. Je le sais, c'est la chiasse. Non, merde. C'est une carte là. Un admiral ou je sais plus quoi. C'est normal, c'est mon galion. Bah oui, celui-là. Pas galion, c'est celui-là en fait. Genre là. Tu arrives à faire ça et tu cales ça là. Mais gars, j'ai mon bateau, il est là, c'est pas très. Et puis le mec, il me coûte 5 champignons là. La dernière fois que j'avais 5 champignons, j'ai réussi à faire. T'as déjà le galion, gros. T'as tué. Ah ouais, j'oublie ça, c'est vrai. Et ça te rapporte de base 4 points dans tous les cas. Ah, c'est vrai que j'ai oublié. Vas-y, ça te rapporte 6 points si tu fais cette action-là. Ouais. T'as un truc unique, tu continues à avancer ton bateau, donc tu prends un point de chute, c'est un truc rien fait. Donc ça te rapporte 9 points de faire cette action. Ouais, d'accord. Bon, moi j'étais sur un plan de base qui était de construire un truc, donc... Non, t'as pas le jeu. Ah ouais. Pourquoi c'était son tour alors? Parce que si je... Non, c'est à toi encore. Ok, t'es en train de payfly. Ouais, moi j'ai joué. Ah ok. Bah, le truc de ta bidouille. Non, c'est à toi là, j'ai joué moi là.
J'ai sacrifié, j'ai mis un. Oui, ah ouais, vous me faites bugger. Ah, mais on est déjà parti. Tu mets une encre, tu peux pas rejouer derrière. Bah, ça fait une action, quoi. Non, mais je savais pas qu'on en était déjà là. J'aurais pu le faire, je pense que je l'aurais fait si j'avais retenu le truc, tu vois. Mais tant que tu changes pas de saison, mais tu peux déposer. Tant que t'as pas tes saisons, t'en bats les couilles. Ouais. Faut que je les vire. Ouais, mais bon, l'encre. Faut y penser. Bah, je vais avoir le. Bien des dieux. Ouais. Tu sacrifies tes cartes. Jamar, au port. Parce que là, t'as deux chaînes et tu peux avoir deux constructions gratuites. Une là. La bite d'amarrage, d'amarrage, d'amarrage. D'amarrage, les gars, d'amarrage. Moi, je peux pas chaîner. Je peux pas chaîner là que de jeter. Ouais, mais regarde. Tu peux, ça veut dire que tu peux choper celle-là gratuitement, t'es sûr? En fait, si tu vas dans le belvédère, je jette tout ça. Tu jettes tout ça, tu peux au moins tenter de prendre celle-là. Ouais. Et ces deux créatures-là, tu peux être sûr, parce que là, tu peux les chaîner avec ça et les chaîner avec ça. C'est pas ce qui te rapporte le plus de points, mais c'est mieux que le zéro, quoi. Ouais, bah vas-y. Vas-y, hein. Tu déposes 4 cartes. Ou alors, tu tentes le hasard, mais t'as moins de chances de. Après, tu non, il bah, y a les grosses cartes qui sont parties. Tout à l'heure. Tu peux toujours tenter, auberge, non, ça ne marche pas. Mmh. Voilà, et là, tu tentes deux au hasard, ça sera peut-être mieux de ce que tu as, tu vois. Et bureau de passe une construction. Ah ouais, mais bah, après, je... t'as deux tours à chaîner. C'est pas grave, si je peux. Okay. C'est à moi. Let's go. Alors. Tu sais, je peux gêner ce que tu m'as dit, le violet, bah, là. Et puis là, bah, tu le gênes avec celui-là et celui-là. Avec là-bas. Celui-là. Voilà. Ça te fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Bon, tu ne perds pas trop, tu vois. Mmh. Et j'ai 3 pattes. 1, 2, 3 pattes. Non, ça va, ça va. T'as pas volé ici. Encore. C'est pas grave. À toi. Ouais, et ben moi, je construis mon putain de bassin portuaire. Je peux. Oui, ouais. Bien sûr. Voilà. Les ressources, je vois ici. Bah oui, quand même, depuis tout à l'heure. Il faut, mon gars. Donc, deux algues. Ah, d'ailleurs. Deux algues. 3 saphirs et 3 bois. 3 bois. Ça y est, ta stratégie a mis du temps, mais elle est là. Hein. Ok. Et pour chaque donc, truc comme ça, j'ai 3 points. C'est ça j'ai, donc, je... Oui, ouais, c'est ça. Okay. Oui, pardon, je fatigue un peu. Ton gaillon est... Donc, j'en ai deux, et je gagne un. C'est pas terrible. Après, tu te rapportes masse de points. Et c'est une construction unique, donc tu avances ton bateau. C'est le bateau rouge. Ah oui, mais du coup, j'attends avant d'utiliser son pouvoir alors. Bah, en vrai, t'aurais peut-être dû jouer l'amiral d'abord. Ouais, pas à la fin. Ah, ouais, oui, ça change rien. Les cartes bonus, ça change rien. Ok. Et vas-y, je sais pas, il y a le bateau là qui a avancé, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Ok, okay, on est bon. Ok, moi je chope les bateaux. Ah ouais, mais qu'il faut. Hein. Bah, de toute façon, j'ai plus de pécor. On leur a coupé l'herbe sous le pied, hein, littéralement, pour les trésors. Pour les cartes de quête. Bah ouais, carrément. Bah après, ça va, t'en as 2 à 2. Hein. Non, mais pas, arrête. Arrête. Attends. Ah, il est bien. Bon. Après, t'as pas baléchon. T'as ça, peut-être, non si, ouais. Non. Et non, j'ai pas de... Ah, bah non. Ah, attends, je me tège. Il me manque une fleur. Donc, tu j'ai pas de fleur. Ouais. Autant pour moi. Désolé. Il faut que tu construises une fleur. Hein. Bah, il y a une carte là-bas, les gars. Je sais pas, c'est la mienne, mais c'est les pas, elles comptent pas. Pour ça, je l'ai retourné. Parce que j'ai pété un truc. Du coup, je vais. Et ouais, on fait des misplays. Ouais, ça arrive, les amis, ça arrive. Voilà. Deux misplays. Oh là, pas que deux. Hein. Oh là là, pas que deux. Moi aussi, j'en ai fait. Je pense à ma première partie de route, j'ai dû faire au moins 50 misplays. Ouais, mais c'est normal. Mais après, tu vois, tu redécouvres en lisant les règles, t'es pas sûr. Voilà. Ouais, j'aime bien ce côté-là de jouer. Tu dis, tu chaînes et tu mets le pion là quand même. Non, je sais pas d'où il vient. Là. Parce que... Non, le pion il reste là parce que. Et tu pourras utiliser la capacité avec un pion d'ailleurs. Que la capacité d'un lieu dans la pioche. Ah, basiquement, je crois que lui il a des créatures et lui, moi j'en ai 3. J'ai jamais réussi à en choper une. Non, mais c'est le violet qu'il a. Mes créatures, j'en ai plus rien à foutre. Toutes mes cartes, j'en ai plus rien à secouer. C'est la fleur violette qu'il a lui souvent. Est-ce que t'as une petite patte rouge? C'est à moi ou c'est à Aurène? Ah oui, il me reste un crabe. Belvédère, je vire toutes non, mes cartes. Non, dans tes cartes. Ah, des petites pattes rouges, non, pas beaucoup, non. Okay. J'ai pas opté pour les pattes rouges, moi. D'accord. Ouais, mais ça m'intéresse pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de fleurs. Ouais, il n'y a pas de fleurs, mec, il me faut des fleurs.
Et je vais aller me faire foutre. Non, c'est bon. Ça va, une. C'est tout ce qu'il fallait. Je te jure. Deux. Oh oui. Ah, c'est bon. Yes. Mais attends. La mets pas trop tôt parce que si tu gères un truc que t'as pas, que t'as en un seul exemplaire. Ah ouais. Tu vois, non mais. Ouais, mais. Ah, oh, merde. Mais ouais. Mais oui, mais oui. Mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais ça me foule. Tu peux la construire en 11e, hein. Pour pas rien. Ça prend pas de place dans ta ville, donc. Tu peux la construire en 11e. Et après, ça te fait une place de plus. Donc, Et notre été, notre automne, il dure des plombs. Et ça, c'est génial parce que bah, trois fois que j'ai joué. Ta première saison, elle dure 2 tours, 3 max. T'as de la chance de plomb. Ça. T'as chopé des champignons. J'essaye de comparer les trucs et tu te rends compte qu'au final, le plan est pas bénef en point. Ouais, bénéfique. En point, ouais, c'est pareil. Mon printemps, mon été. Parce que finalement, ah ouais. j'avais pas assez de ressources. Mais là, ton automne, il est vénère. Mon automne, il est vénère de fou. Attends, tu peux juste expliquer pourquoi t'as vendu ça tout à l'heure là? Ah, parce que autre chose. Il avait pas regardé, mais il a pas les 4. Donc si moi j'arrive à poser une créature avant toi, je peux. Ouais, ouais, je sais. Ça, c'est-à-dire que t'as une de chaque, c'est ça? 2. Et je sens que je vais me faire baiser. T'as pas les 4, c'est t'en as tué un tout à l'heure, non? Avec ton épave, non? Non, c'est un bâtiment. L'épave, c'est un baluchon. Et ça compte pas. Non, mais tout à l'heure, t'en avais pas de 4 verts et t'en as pas tué un. Si, 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 carrément que si. Mais là, j'en ai 3. 1, 2, et où le 3ème? Un misplay aussi de ma part. Là, j'ai pas pris le vert. Non, j'en ai que 2. On verra à la VAR. C'est pas grave, j'en ai pas. C'est les bleus que j'ai 3. J'ai moins d'eau. Eh, c'est pas tranquille. T'as vu Arthur, ils jouent des trucs et ils mettent pas leur pion. Comme ça, on sait pas si ils savent jouer ou pas. Je... Ah, finalement, t'as changé de stratégie. Je vais te demander, est-ce que c'est plus bénéf, hein, ouais. Ce que je te disais, est-ce que c'est plus bénéf d'enchaîner, ouais, de toute façon, je vais le faire à la fin, mais quoi, d'enchaîner l'amiral, qui est à 6, parce que là, tu vois, c'est en fonction de ce que j'avance, donc ça me fait 6, ça me ferait 6. Hein. Il est unique, donc t'avances en 2-1 plus. Il te rapporte 3 points de plus. D'accord. Et en plus, après, tu peux aller là pour récupérer le bonus du. D'accord, donc ce serait plus bénéf qu'un sculpteur de la fleur. Qui me met quand même des constructions uniques. Et j'ai 3 constructions uniques et c'est plus 2. Bah, ouais, mais c'est là. Moins... Bah non, franchement. Tu fais. C'est bénéf d'enchaîner le sculpteur aussi. Tu fais. Ouais, tu fais ton calcul. Donc 4. Ouais. 5. Ça va être pour moi. 4. 5, ouais, 6, ouais. 7, 8. T'as d'autres constructions uniques? Ouais, il y a. J'ai 9. Celle-là, ouais. 9. 9. En tout, plus 3 points, 12. Ok? Ouais, ok, oui. Plus t'avances sur bateau de 1, donc 2 en plus, donc 14. Non, c'est plus rentable. Ouais, c'est le sculpteur, ouais. Le sculpteur est plus rentable. Le plus rentable, on est d'accord. Après, t'as combien de places dans ta ville encore? Dans ta ville. Ah ouais! 10, c'est bon. Bah, c'est bon, c'est fini. Je peux plus caler. Okay. Mais il me reste un chabi là et récupérer un prochain. Ah bah c'est le but. 1, 2, 3. De toute façon, ce truc là-bas, je l'ai un peu ignoré. Je ne peux plus utiliser ma dernière encre. Là, voilà, j'ai déconné par contre là-dedans. Ah. Mais je peux pas ancrer. Si t'avais une carte paria, t'aurais pu péter une truc de ta ville et récupérer et reconstruire. Je peux pas les enchaîner les deux? Non. Bah non. Ou ceux-là? Non, c'est des créatures ça. Ah oui. Bon. Ah oui, il y a 3 créatures là, oui, d'accord. Ah oui, et là, c'est 2 constructions, donc il faut enchaîner, c'est une construction. D'accord. Mince, c'est 2 points comme des trésors, c'est ça? Je vais te donner. J'ai chié dans la colle. À toi, vu que t'as fini de jouer, ça ne sert à rien. faut quand même un peu utiliser. Ben ouais, mais t'as raison. Putain. Ah, si, c'est bien. J'avance une case de mon bateau parce que j'ai construit un truc vert. Et voilà, à toi. Que j'ai fini. Faut que tu changes de saison officiellement pour avoir fini. Moi je vais chiner ça avant de me faire avoir comme lui. Donc je t'appelle en septembre. Je peux plus bouger. Encore des actions donc. Oui, de toute façon, je vais que aller là. Mon crabi, je le fous là et je récupère. Tu peux choper 2 champignons à ton prochain tour. Bah, je voulais le chemin des fleurs. Je voulais pour avoir 3 ressources. Je peux récupérer celui-là ou pas? Parce que j'en ai 3, donc c'est plus encore mieux. Tu peux, hein. Mais attends, ça te rapportera en tout qu'un seul point. Ouais. Alors que. Ouais, mais peut-être autant choper celui-là aussi, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas, gros. Franchement, je sais pas les. Ouais, 2 points.
Tu décideras à ma place. Mais... Attends, mais t'as un symbole de chaque. C'est à part, et tu fais ton tour quand même. Non, non, j'ai pas un symbole de sac. Ah oui, ça, il prend un symbole de sac, ouais. Si t'as vu le symbole de la pâte, la pâte, j'ai pas voulu prendre. J'ai jamais pioché une pâte. Ouais, j'aurais peut-être dû. Ouais, j'aurais pu en prendre, mais j'en ai jamais. Ton micro, par contre. Trop gourmand. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, tu le caleras là sur ça. Je te fais ton truc. Et tu me prends des parchemins. Je m'en fais. Non. Ah, lequel tu voulais ? Bah celui-là déjà, parce que j'en ai trois. Voilà, celui-là. T'as pris un Krabi ? Il y a un non, mais c'est pour mon dernier tour. Krabi, tu peux pas. C'est pour mon dernier tour, je le ferai. Bah, c'est vas-y. Hein. Ouais, je le ferai pour toi, t'inquiète. Ouais, je le ferai. C'est à moi ? Oui. Ok. Attends, bah, c'est mon tour. Oui, vas-y, vas-y. J'avais une question. Vas-y, vas-y. Une question avant ? Oui. Chez Nash, ça t'empêche pas de faire un tour après, c'est non, ça ? Non, c'est ton tour. C'est ton tour. Ouais, tu peux encore continuer à jouer. Bah, moi. Hop. Ne fumez pas, faites du sport. Deux bois, deux ailes, deux saphirs. Soyez sage. Écoutez bien les animateurs. Je te jure. Deux bois. Deux. Merde. Tac. Tac. Moulin à vent, deux points de victoire pour chaque construction verte. Pour chaque carte verte, une. Ouais, deux. Tu le feras après, ça. On est bientôt fini. Ouais, ouais, oui. Vas-y, envoie, envoie. Ouais. Bah alors en fait oui, mais je mettrai mes meeple après. Ça me gonfle. Ouais, j'arrive. Vas-y, je vais le faire pour toi. T'embête pas. Donc lui, il prend ça, hein. C'est ouais, ça. C'est ça. Tac, tac, tac. Voilà, c'est voilà. Fait. Voilà, moi, je fais... Ah oui, si je construis ça pour deux algues. Ouais. Donc, je gagne deux de bois. C'est super utile en fin de partie. Je avance quand même mon bateau d'une case pour gagner enfin un dernier petit trésor. Aurel, c'est à toi. Ah, vu que j'ai... Je dois piocher une carte. Ah ouais, j'ai fait une construction unique. 22. Ça repart. Vas-y, hein, tu peux. Bah, deux champignons. Si t'as besoin de piocher. À moi. T'as besoin de piocher. Je vais là, je prends ça. Mmh. Ah, Arthur a fini, il te reste des actions. Il te reste un meeple. Il me reste. Je peux piocher une carte que je peux donner à quelqu'un. Ça. Pour gagner un dernier point de victoire. Et voilà. Je rappelle, c'est le gardien de part, je pioche avant, puis je lui donne une carte pour piocher. Voilà. Ouais, magnifique. Encore non, à moi. Non. Bah écoute, on va terminer. Là, je copie les dunes et je prends. Parce que je l'ai. Voilà, c'est bon pour moi. Il me reste un meeple, mais je ne peux rien prendre de là, je ne peux rien prendre de là. Enfin, je passe en hiver, mais c'est pas une partie. Ok. Ouais, et maintenant, la partie casse-couille. Comptage. Bah, on va faire calculatrice. Bah, parce on prend les charges. Voilà, on va pas. Ah ouais, parce que là. Pff... Alors, voilà, c'est quoi ça le... T'as reçu des notifs, toi. C'est boulot. Non, c'est pas. C'est Laurent, tu connais. Alors, calculatrice. Alors, on va commencer par toi. Donc, moins 1, plus 2, donc ça fait 1. Plus 2. Plus 3, plus 1, plus 1, plus 1, plus 4. J'en ai 10 de chaque là. 4, plus 2. T'en as combien ? 9. 9 là. 9. Et là, ça, après les seuls trucs qui peuvent te rapporter des points, c'est ça. Fois 2 là, ouais. Donc 2 pour chaque construction commune de votre putain, ville. C'est bien, ça. Unique. Commune. Une. Commune. Deux. Commune. Trois. Trois. Six. Bien ça. Putain, il est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc plus 12. Et il est là plus 16. Plus 16, tu peux retirer le bateau d'ailleurs, vu que c'est fait. Hop là. Ça va fluidifier le chemin. T'as compté les coquillages ? Oui, j'ai compté les coquillages. Ce sont là les plus 9. Ouais. Et ça fait. Il y a Navarre personnel. Et ça oui. Te fait un beau score de 62 points. Ouais, c'est pas mal. À retenir, 62 points. 62. Tu 62 points pour. Alors rebranche-toi sinon t'entends pas. Aurel. 62 points pour Aurel. Tu peux le retenir ou pas ? Ouais. 62 Aurel. Alors Enzo. Let's go. Alors, on va commencer. On commence par quoi ? Bah, ça, 2, moins 1, 1. Ah oui, le moins 1, il est là. C'est un 1, ça. Oui. Moins 1. Moins 1. Ah oui, bah 0, excuse-moi. Oui, pardon. 2, je tiens. 2. 3, plus, ah oui, je vais parler de 2, plus 2, plus 1, plus 2, plus 1, plus 1,
plus 2. Si tu me dis si je vais trop vite, plus 2, plus 2. Non, déjà fait. Attends, non, les parchemins là. Est-ce que t'as des cartes jaunes là? Non, c'est bonus ça. Si, ça c'est bonus ça. Non, les cartes bonus. Ça c'est bonus ça. Ça c'est bonus. Bah oui, ça rapporte des points en plus en fin de partie. Ah oui, pardon, plus 2 points pour. Mais non, je les ai déjà pris, ils sont là. Non, je vais voir. Pour chaque. Oui, mais c'est fait. Oui, c'est vrai que tu l'avais fait comme ça, la porte à la quintelle. Ouais, c'est fait. J'en ai qu'une seule. Je vais virer. Plus 2, je me souviens. Faut compter tes trésors. 1, 2, 3, 4. Pas ouf. J'en ai 5. 8. Et les parchemins, j'en ai. T'as 5 trésors. Plus 2, plus 5 trésors. Alors, celui-là, il te rapporte 2 points par parchemin. Donc 1, 2, 3, 4. 4 qu'on a 3 fois. 3 fois 4. 12. Attends, on a 5 des trésors. Hein. 12 plus 4. Ils veulent pas. C'est pas mal, hein. Plus. Je suis chassement de parchemin. 22. Plus... Pas ouf. Je suis assez déçu. Ah, attends, tu vas voir. Tu vas t'inquiète pas. Toi, t'as beaucoup de bâtiments, mais. Plus combien? 22. Plus 4 là. Ah, ouais, 4. Plus 4 plus 22. Donc 63 points. 62. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Ah la Enzo. Ça s'appelle Enzo en termes de. Ah ouais, Charmus, parce que c'est. Je suis venu devant. Ça se trouvait que t'es l'état. Camoulox. J'ai gagné. On y va. 0, plus 2. Attends, parce que je vais pas un petit truc là. 2. 2, plus 1. Plus 1. Plus 2. Plus 1. Plus 1. Plus 5. Plus 4. C'est plus 5. C'est qui coquillage là? Ah bah ça. Alors, les coquillages, bâtiment, les dans... bâtiment, coquillages là. Tu les avais reconnus, récupérés les coquillages? Non, faut pas les récupérer, normalement tu les comptes à la fin. Ah merde, j'ai pas. J'ai... Coquillages. Alors, non, là on fait les bâtiments bonus d'abord. Ok, un pardon. Pour chaque trésor. Un pour chaque trésor. Il a 3 trésors. Ensuite, 2 pour chaque construction unique. Il en a 1, 2, 3. Non. Non, on avait quoi? 1, 2. 2, 2, 3. J'ai 3 constructions uniques. Donc 6. Plus 3 pour chaque truc de fleurs. 1, 2, 3, plus 9. C'est bon. Ouais. Les bonus, c'est bon. Pas mal. Hein. Ok, combien de coquillages? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Par chemin, il en a 1 fois 1. 1 fois 1. Qu'est-ce que tu dis 6? Trésor. De quoi? Les coquillages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, pardon. Non mais mec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, mais 5, tu les caches 6, aussi, 7. Tu vois. Attends. 16, attends. Je suis à 8 coquillages. Oui. Il a 8 coquillages, pas 6. Toi, c'est pas, t'avais 4 trésors, t'as dit 4 tout à l'heure. Ah, j'en avais 5 bah, ouais. Ah merde, quel point. Faut qu'on te recalcule, toi. Ah ouais. Ça, parce que ça fait 2 par parchemin, donc ça fait 1, 2, 3, 4, ça vaut 4, ça vaut 4. 4, 8. Non, si, c'est bon, on avait ouais, pas. C'est bon. Non, ouais, c'est bon. Ça vaut pas tant que ça. Il a 8 coquillages et pas 6. Oui, ça, j'ai modifié. Très bien. Et il plus, a 1, 2, 3 trésors. T'es culax. Donc ça fait plus 6, exact. Ouais. Et 12 points de bateau. J'enlève le bateau, j'enlève le mien. J'enlève okay. Le bateau. Ouais. Ah oui, le tien. Ah oui. T'es à 41. Non, 41. Tu as combien du coup? 66. Putain, mais on t'a battu. Vous avez vu ça? En vrai, t'as 65. Bon, il m'a aidé, mais bon. Mon plan a pas trop mal marché. Malgré que t'es sacrifié une encre. On y va. Une encre. J'ai mon moins 1. Et j'ai sacrifié une encre, du j'ai coup. J'ai mon moins 1 avec un. C'est peut-être ça, ouais, quand même. Parce que lui, c'est vrai qu'il a ancré. Ça fait, je suis à 0 là. Ouais. Ouais, ok. 1, plus 1. Ouais. Plus 1. Ouais. Plus 2. Ouais. Plus 3. Ouais. Plus 1. Oui. Plus 5. Voilà. Oui. Le double, 4. Minimum. Oui. Et tout ça, c'est fini. Vu que moi. Non, on espère. En vrai, si c'est bénéf, je pense que j'avais pu ancrer. Ok, vas-y. T'as pas ancré les 3. Plus 4, ouais. T'as mis 3 ans. Parce qu'après, j'avais mis tous mes bâtiments et j'avais eu des personnages après. J'ai passé, effacé. T'as tous les persos. T'as tous les. C'est bon, j'ai mis plus de persos. Ouais. Ouais, les binômes, ouais. Ouais. Bâtiments plus. Coquillage. Ah, coquillage, j'en ai pas beaucoup. 1, 2, 3. Alors que les trésors. 7, ah, les trésors, ça va. 7. Et les trésors, c'est parti. Attends. Ah, bâtiment bonus, pardon. 1 pour chaque case que j'ai dépassé avec le bateau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ouais, mais quand même. Ouais. Et ça, c'est chaque trésor vaut 3 du coup. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Navarre pourra vérifier. 18 x 3, je peux le faire.
Direct. Bah, non, mais je suis en train d'en truc. Ah, tu peux ? Ah oui. Bah ouais. 18. Je suis même pas au centre. C'est 48. 95, bravo. Bravo Clément, vainqueur de Everdell Far Shore. Ouais. Quand t'avais compté le bateau là. On a mal compté pour toi. T'es sûr ? Bah, regarde, pour moi, c'était bon. Deux fois par chemin. Donc ça, ah non. Par chemin là, il veut 1, 2, 3, 4. D'accord ? On dirait qu'il y avait 10 trésors au lieu de 8. Fois pas ça. Donc ça, il vaut 8. Ouais. Ça vaut 8 aussi. On est d'accord. Ah oui, on s'est trompé. 16. Donc ça vaut encore 8, 24. Donc là, on t'avait compté 12, donc il faut te rajouter 12. Il faut te rajouter 12 points. Ça fait 78. La VAR pourra confirmer. Non, mais putain, le conseil est bon. Bon, vous inquiétez pas, on va quitter le mystère. Après, on va faire un 2 points, 3 points, c'est plus. Ouais, moi je veux bien expliquer 2 pommes 3 pains. On va ranger les.